les amis euh, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle guidance donc je termine la série euh, des archanges nous serons ici avec les messages de l'archange Sandalphon. Euh, je ferai une playlist d'ailleurs euh, du premier archange en fait j'avais déjà fait les archanges liés au signe astrologique et donc j'ai continué dans cet ordre là avec des messages ici pour tous euh, donc pas uniquement liés à votre signe et on termine par l'archange d'alphon qui lui est lié au signe astrologique du Poisson. Et d'ailleurs, ça tombe bien, nous sommes au moment où je fais cette vidéo dans la saison du Poisson. Un bon anniversaire bien sûr à vous mes poissons, mais ça reste un intemporel, donc vous pouvez le regarder à tout moment. Euh, vous aurez compris qu'il y a un trois choix, donc euh, posez-vous tranquillement, calmement, et faites ce choix euh, avec votre âme, avec votre cœur, votre intuition tout simplement. Merci à tous ceux qui continuent à me suivre, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages et puis bien sûr pour les nouveaux et nouvelles qui s'abonneront à ma chaîne et qui, qui viennent déjà d'arriver. Je vous souhaite la bienvenue dans cette belle communauté que nous formons tous ensemble. Et puis les amis, je vais vous demander vraiment, 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 parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, voilà, de nous épauler un tout petit peu. Et si vous ne le faites pas pour notre situation personnelle, faites-le pour la chaîne, euh, parce que ben, travailler dans de bonnes conditions, c'est très important euh, pour moi aussi. Et euh, la situation se dégrade ici dans la maison dans laquelle nous sommes. Donc nous espérons trouver très vite autre chose euh, pour ce faire. Euh, bien, ça nous parle de notre bien-être aussi. Et le bien-être, bien, euh, bien euh, c'est important pour le, le travail que je réalise sur la chaîne au jour le jour, pour mon travail en privé. Donc, n'hésitez pas à faire un petit don à la cagnotte Litchi en ligne, les amis. Ce serait super. Vraiment super 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 gentil de votre part et je vous en remercie d'avance. Merci à Florence, euh, merci beaucoup Florence du fond du cœur pour ton petit don, pour les deux dernières personnes qui ont donné et merci à à Cynthia. Cynthia, je t'ai envoyé un petit message sur ton WhatsApp si tu m'écoutes, voilà pour te remercier. Euh, merci à vous tous en tout cas du fond du cœur. Alors, sachez que ça reste une guidance générale. Euh, S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, ce n'est pas bien grave. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vos énergies, bien sûr actuelles également. On va commencer avec un message de pour le choix 1 de Star Seeds Oracle de Rebecca Campbell et Daniel Noël. voilà, qui est en anglais que j'aime beaucoup. Et on commence tout de suite pour vous avec cette très belle carte. You're not for everyone. Alors, you're not for everyone. Tu n'es pas pour tout le monde en fait. Tu n'es pas comme tout le monde. J'ai envie de dire ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Embrace your weirdness. Face your true note. Euh, trouve ta vraie voix déjà euh, et embrasse ta en anglais, ça se dit, weirdness, c'est un peu ce qui est étrange, ta bizarrerie. Donc, je vais, je vais vous dire, embrasser votre authenticité, votre originalité. Vous n'êtes pas comme tout le monde et vous n'êtes pas pour tout le monde. Vous n'êtes pas fait pour euh, vous entendre peut-être ou, ou co converser, communiquer ou euh, être dans un groupe, une communauté euh, avec tout le monde, en fait, voilà ici. Vous êtes vraiment authentique et original, les amis. On dit, euh, fais face à... Fais face à ta propre vérité intérieure. Le, le nœud nord, vous le savez, dans le dans les énergies, le nœud nord, c'est regarder de l'avant, être dans le présent et faire des projets pour l'avenir. Donc ici, on vous dit vraiment, mais fais face à ton originalité et accepte accepte cette originalité. Cette différence accepte-la. Une fois que vous aurez accepté cette, euh, cette différence, justement, qui est magnifique chez vous, vous allez pouvoir enfin vous projeter. C'est vraiment ça ici. Hein. Alors, j'étais prêt à tirer beaucoup de cartes, mais le tarot, je le prendrai devant vous, les amis. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a votre santé, votre bien-être. Votre clairvoyance, hein, c'est peut-être pour ça que, vous êtes, que les autres vous trouvent bizarre. C'est qu'en fait, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance, et c'est pas euh, à la portée de tout le monde, évidemment. En tout cas, de la développer et de la mettre à jour. Je pense que nous avons tous euh, une intuition ici. Hein. Nous avons tous de l'intuition, mais c'est pas donné à tout le monde de, euh, de voilà, de l'utiliser à un bon escient, de l'utiliser euh, euh, en réalité euh, complètement ici. Hein. Donc je pense que ce qui se réveille en vous, c'est cette intuition, cette clairvoyance. Et quand vous vous connectez à votre intuition, vous êtes dans un sentiment de bien-être. Mais regardez, là, il l'ausculte, elle pense qu'elle a un petit souci, voilà la petite fille ici, mais en réalité, c'est un examen de routine en fait. Donc je pense que votre étrangeté, votre originalité, votre bizarrerie peut-être, voilà, on peut appeler ça comme ça. Euh, parfois, vous fait peur, en fait. Vous dites, oui, mais je peux pas euh, mettre ça en avant parce que, voilà, euh, euh, qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Acceptez-vous tel que vous êtes. Alors, j'ai oublié de vous dire dans l'intro, les amis, vous aurez, bien sûr, l'énergie de l'archange Chandalphon Comme ça, je n'ai pas pris trop de temps dans l'introduction. où Vous pouvez lire, voilà, ce que représente l'archange Chandalphon, quelle énergie il vous, il vous envoie ici. Hein. Alors, vous projetez, c'est vraiment ça, hein, faire des projets, et aller vers votre propre réussite finalement. Hein. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est ne fais pas attention à ce que les autres disent de toi. Euh, reste tel que tu es. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu n'es pas en train de devenir cinglé parce que euh, tu communiques avec tes guides ou parce que tu, tu as des messages qui te parviennent en canalisation pas du tout. Je vais aller reprendre une carte ou deux, les amis. Hein. Euh, je le fais vraiment en feeling, donc s'il y a besoin de reprendre des cartes, j'irai en reprendre, bien sûr. Hein. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, on voit un enfant ici. Hein. Donc vraiment, est, le message ici de l'Archange d'Alphon, c'est reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Pour plus de joie dans ta vie. Pour plus de créativité, j'entends. Tu l'as délaissé pendant trop longtemps, euh, ce, cet enfant intérieur ici. Bon, Qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme message, s'il vous plaît, mes S'il vous plaît, arc en pour mes amis ici du groupe 1. Oui, c'est ça, hein et je pense que c'est ça, en fait. Il y a peut-être des, des personnes qui ont toujours leur mot à dire autour de vous, il y a peut-être de la jalousie, peut-être des critiques aussi, mais n'en faites pas cas, qu peut-être que vous vivez ça depuis l'enfance et que du coup ça a brimé cet enfant à l'époque et que vous bloquez cet enfant intérieur à cause de ça on vous dit que vous attirez, regardez, vous attirez une propre évolution personnelle. Donc vous êtes en train d'évoluer. Là, on peut parler pour vous, madame, voilà, ou si vous regardez cette guidance pour une dame, ou si monsieur, vous avez une énergie féminine. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui bloque dans ce sens, qui bloque votre évolution, parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Ici, on va vous demander vraiment d'écouter vos ressentis, vos intuitions, et de mettre ce projet en place, quel qu'il soit. Hein. L'intuition, je le dis toujours, ça peut aussi être bien sûr euh, lié à un domaine artistique. Voilà, euh, on le sait bien, les artistes ils fonctionnent beaucoup avec l'intuition, avec le feeling, les ressentis. Si c'est pas un domaine spirituel, ça peut être artistique. L'un ne va pas sans l'autre en général. Les artistes sont des gens très spirituels. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je me suis déjà fait la, la remarque on peut inclure la spiritualité dans tout domaine de notre vie. Hein. Que vous dit l'oracle quotidien? Faites de la place. Ok. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc faites de la place. Euh, laisser de nouvelles énergies émerger en, en vous, émerger hors de vous. Il y a peut-être encore des énergies euh, qui ne vous appartiennent plus, qu'il faudra laisser sortir, ou peut-être c'est simplement euh, voilà pour l'instant. Vous vivez dans un bazar monstre parce que il euh, y a eu des travaux chez vous à la maison. Vous n'avez pas eu le temps de ci de là ou parce que vous n'avez, ben, vous avez la flemme, quoi. Vous n'avez pas l'énergie pour ranger, peut-être trier, euh, donner aux personnes qui en ont le plus besoin, etc. Mais il y a quelque chose à ranger, à aménager ici dans votre vie, que ce soit au niveau vraiment spirituel ou au niveau terrestre. Euh, faire de la place pour vous sentir un peu plus léger, légère ici, et ça va vous permettre aussi d'aller rechercher cette authenticité qui est en vous et d'aller reconnecter à ce petit enfant intérieur qui est en nous tous finalement et qu'on a toujours tendance à délaisser pour une raison ou pour une autre ici. Ok, c'est très joli, hein très joli, les messages sont beaux euh, les amis. Alors avec la lumière de fée ici. Nous avons une carte d'apprentissage, de professionnel. On vous dit que vous allez entreprendre quelque chose que votre âme reconnaît ici. On a vraiment une carte d'âme ici. Ça, hein. c'est vraiment la carte de l'âme. Quelque chose que votre âme reconnaît, qui est fait pour vous. Et entreprenez, passez à l'action, allez vous diriger vers un domaine professionnel, mais qui est fait pour vous, les amis. Entreprenez de nouvelles choses. Si ça ne va plus dans votre travail actuel, par exemple, ben, il faudra dégager ses énergies et il faudra commencer à faire vos recherches. Entreprendre, c'est vraiment je passe à l'action ici. Hein. Oui, et regardez, vous avez énormément de créativité, les amis. Hein. Comme je l'ai dit, créativité, ce n'est pas toujours euh, dessiner, peindre, etc. Mais vous avez des idées originales. Vous voyez des idées un peu folles. C'est pour ça qu'on vous dit, vous n'êtes pas pour tout le monde. Vous êtes parfois, vous vous sentez à part du lot, mais c'est très bien. Euh, je pense qu'ici vous en avez marre de vous fondre dans la masse, vous en avez marre justement de faire semblant d'être comme tout le monde, parce que vous ne l'êtes pas. Et c'est ça qui est bien. Imaginez que tout le monde serait pareil, ce serait pas possible. On a tous nos dons, nos capacités, notre potentiel ici. Et regardez, en comprenant tout ça, vous allez célébrer. Et ici peu importe euh, ce que vous célébrez, parce qu'ici on a une carte de foyer, de famille, etc. Mais vous allez être en joie en tout cas dans votre foyer, et le foyer nous parle du bien-être intérieur aussi. Donc je pense que si vous vous connectez vraiment, parce que vous êtes des êtres très intuitifs, à vos ressentis et à votre âme, vous allez développer quelque chose de très beau ici, mais surtout, surtout qui va être fait pour vous pas spécialement pour les autres mais pour vous et vous allez de toute façon avoir des gens qui vont vous aimer qui vont aimer votre travail qui vont aimer votre manière de présenter les choses ici waouh alors avec l'ange indigo de Charles et de Dorine Virtue vous savez déjà c'est incroyable hein, les amis vous savez déjà ça veut dire qu'on confirme ici pour vous mon groupe 1, que vous êtes des êtres très intuitifs. Qu'au fond de vous, vous savez déjà quoi faire. Vous savez déjà quoi mettre en place. Mais vous ne le faites peut-être pas. Pourquoi Vous avez probablement vos raisons. Peut-être que votre cerveau pour l'instant est trop encombré. Peut-être que vous sortez d'une passe difficile. Peut-être que vous ne trouvez pas votre voie professionnelle, mais vous savez déjà exactement quoi faire. Alors, j'ai la carte des rêves. Peut-être que ça passe dans vos rêves. Euh, je vais vous confier un truc personnel. D'habitude, je n'ai pas l'habitude de le faire. Je me suis réveillée hier matin. J'avais fait un rêve et je me sentais bien en fait. On ne se souvient pas toujours de ses rêves, mais on se souvient de la sensation. Quand c'est un cauchemar, on, on le ressent directement. On se réveille en pleurs, en sueur. On se dit Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Mais quand c'est quelque chose de beau, on le ressent. Et moi, j'ai vécu quelque chose de beau dans ce rêve. Et tout ce que j'ai retenu, c'est la flèche. La flèche. Et je me suis dit, mais pourquoi la flèche, en fait Sans avoir vraiment de visuel, juste ces deux mots-là me sont revenus au moment où j'émergeais de ce rêve. Et en fait, la flèche, c'est marrant parce qu'après, j'ai été prendre l'oracle G. Parce que vous savez qu'on est dans une recherche de, voilà, de, de, de maison, etc. Et j'ai eu. La carte de l'oracle G avec la flèche. Incroyable. Et je me suis dit, ça, c'est un message pour me dire qu'on est dans la bonne direction, qu'on se dirige vers le bel le bon endroit ou le bel endroit euh, qui sera fait pour nous. Vous voyez, et je pense que vous avez des messages dans vos rêves. Si ce n'est pas le cas, vous savez déjà que vous avez un rêve, un projet qui vous tient à cœur. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes dit, je ne peux pas le mettre en place, je ne mérite pas. Il y a tellement de gens qui ont des rêves, vous vous êtes dit, mais moi je suis comme tous ces gens, je n'y aurai pas accès. Eh bien non, bien au contraire, les amis, parce que vous n'êtes pas, et je répète, vous n'êtes pas comme tout le monde et pour tout le monde ici. Ne vous calquez pas sur les autres, n'écoutez pas ce que les autres disent. Gardez vos propres énergies intactes ici, parce que vous avez de très belles énergies. Et regardez, là vous prenez votre envol, là vous retrouvez votre légèreté, votre liberté, là vous avez reconnecté à votre enfant intérieur. Autorisez-vous cette liberté d'être authentique et de croire en vos rêves. Vous le savez déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, j'ai envie de vous dire, mettez-vous en action les amis. Même si c'est des petites actions au début, mais de bout en bout, d'étape en étape, de fil en fil, vous allez trouver. Cette liberté. Et ça, c'est le plus beau ici. Ok, les amis, mais c'est juste. Waouh! Wow. Topissime, hein. vraiment topissime ici. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas faire la guidance de l'archange euh, Sandalfon sans aller prendre des cartes de l'archange Métatron, qui est son jumeau en fait. Hein. Voilà, donc on va aller voir ce qu'on a pour vous ici avec ces magnifiques cartes de l'archange Métatron. Je vais vous le montrer, hein, parce qu'il est vraiment très beau. L'oracle de l'archange Métatron d'Amanda Ellis, illustré par Jane Delafort Taylor aux éditions Exergue. Voilà. Vous aimez bien les oracles angéliques ou avec des archanges. Celui-ci est juste magnifique parce qu'il travaille beaucoup avec les énergies en fait, hein, euh, Métatron. Ok, les amis. Alors, ici, on a la carte de bilan et réflexion, besoin d'une pause. Peut-être qu'au moment où vous me regardez, où vous m'entendez, les amis, euh, vous êtes en pause. Vous êtes en pause, vous avez besoin de réflexion, peut-être pour faire ce tri, peut-être pour passer à autre chose. Vous avez pris un peu de recul. Et parfois, c'est pas plus mal de prendre du recul aussi, hein. Euh, on a la carte du lâcher-prise, moment de libération. Et vous voyez, ce n'est pas anodin, vraiment les amis, qu'on a eu cette carte de libération. C'est votre réflexion, Pff, réflexion mais réflexion euh, très intérieure. Ce n'est pas une réflexion avec le mental, je pense pas. Euh, vous faites le bilan, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi finalement pourquoi je n'ai pas obtenu ce que mon cœur désire Pourquoi je ne suis jamais arrivée à toucher ce rêve du bout des doigts Peut-être parce que vous n'arriviez pas à lâcher prise. Et ici, c'est le conseil de l'archange Métatron c'est pendant que tu fais ce bilan, pendant que tu es en pause, faites ce travail de lâcher prise. Tu vas te sentir libéré, allégé. Alors, je sais, mes amis, vous allez me dire mais le lâcher prise, c'est pas facile, papillon. Oui, je sais. C'est un travail de tous les jours, vraiment. Ne fût-ce que 5-10 minutes tous les jours, mais tous les jours. Je ne vais pas vous mentir. Euh, et si pendant 2-3 jours, vous n'y arrivez pas, eh bien prenez une journée de lâcher prise. Ça fait du bien ici. Oui, et c'est vraiment ça pour votre créativité. Regardez, on en reparle. Hein. Création, expansion dans votre vie. Donc vous allez créer quelque chose de magnifique. Alors que ce soit en termes artistiques, Spirituel, ou que ce soit en termes personnels, peut-être familial, pour votre foyer amoureux, mais vous allez créer quelque chose de magnifique, les amis, ici. Vous êtes euh, à la fin d'un cycle. Vous êtes en, en train de faire aboutir quelque chose pour libérer les énergies qui ne vous conviennent plus. Et là, vous allez prendre votre envol ici. On est sur du neuf. Donc, on est vraiment ici sur un accomplissement, un aboutissement, mais une fin. Et à toute fin, une renaissance. Vous voyez, donc, vous êtes en train de préparer ce renouveau ici. Peut-être euh, d'ici le printemps, pour ceux qui me regardent maintenant, ou d'ici l'été jusqu'à l'automne prochain. Ou peut-être cet automne, pour ceux qui me regarderont en automne. Mais il y a quelque chose que vous préparez et que vous savez très bien faire. C'est en vous, hein, c'est inné. Donc, même si vous ne le ressentez pas encore. Ce mouvement, euh, ce moment, pardon, ce moment de lâcher prise va vous permettre de mettre des très belles choses en avant ici. Alors, je vais encore aller prendre les cartes des anges, dieux et déesses et puis on va passer au tarot. Et je vais utiliser, euh, parce que ça fait longtemps aussi que je ne l'ai plus utilisé, je vais vous le, vous le montrer. Ce sont de très grandes cartes. Je vais utiliser l'héritage du tarot divin de Chiroma Chetti aux éditions Exergue, les amis. Il est juste euh, topissime. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, je le mets de côté. On ira voir ça après. Ici, vous avez l'ange de la guérison. Mais c'est ça, en fait. Hein. Euh, vous êtes en pleine guérison, mes amis, ici. Et c'est important que vous le sachiez. Vous avez eu des moments difficiles. Vécu des moments difficiles, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être euh, des problèmes de santé, peu importe. L'ange de la guérison vous dit, votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Donc la guérison, elle est là, c'est maintenant les amis. La déesse de la beauté. Vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou corriger. Et j'ai envie de vous dire, les amis, vous n'êtes pas comme tout le monde et vous n'êtes pas pour tout le monde. Vous êtes des êtres de lumière hyper beaux à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Et à partir du moment où vous allez vous accepter tel quel, vous allez créer des choses mais j'ose même pas imaginer quoi. Il y a énormément de personnes qui vont vous suivre, qui vont vous aimer ici. Regardez ces beaux papillons. Je vous la montre de près, elle est, elle est vraiment superbe quoi. La déesse du commencement et je vous disais, il n'y a pas de fin en soi, il n'y a que des renaissances en fait. Quand on a l'impression d'être au bout de quelque chose, de mourir réellement, littéralement, hein, parfois, euh, euh, les crises d'angoisse, on a vraiment l'impression d'y rester. Hein, Ou dans la tristesse, on est tellement bas qu'on se dit, oh non, mais il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Et en fait, c'est là que, voilà, c'est là que l'étoile se montre, que la lumière arrive sur vous. La déesse du commencement vous dit, c'est un moment idéal pour partir à la découverte pour vivre une romance, pour donner libre cours à votre créativité. On en reparle de cette créativité. Ça peut bien sûr être pour une romance. Euh, si vous êtes seul, que vous avez vécu un, une séparation, un divorce compliqué ou un deuil, et que vous, pendant des années, vous avez eu du mal à remonter la pente, mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est le moment. Hein. C'est le moment, c'est l'instant pour envisager ce nouveau départ. Hein. Ici, euh, c'est marrant parce que vous avez deux déesses et vous avez un ange. Donc l'ange il est là pour vous guérir et la déesse elle est là pour que vous repreniez confiance en vous et que vous montriez votre beauté au monde, vos qualités, vos potentiels, votre délicatesse, votre amour, votre tendresse pour l'être humain, pour les autres. C'est vraiment ça ici les amis. Hein. Et vous voyez cette lumière ici qui arrive sur vous nous prouve que la guérison, elle est bien en train de se faire. Là aussi, vous voyez, ils ont de la lumière sur eux ici. Tous ces beaux rayons de lumière là. Et là, vraiment, vous êtes au cœur. Vous êtes au cœur de la transformation ici, les amis. Bon, on va aller prendre le tarot. Ensuite, j'irai vous prendre une petite carte de, de l'oracle de vos guides de Sonia Choquette et un message de l'oracle de vos anges. Ok, alors. Les cartes sont immenses, mais il est juste magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pu utiliser. Vraiment, vraiment. Alors, mes amis, on va aller voir à travers le tarot, le message principal de Sandalfon. Euh, le conseil peut-être aussi, mais il y a aussi la, la, la partie prédictive ici, les amis. Hein. Ok on y va pour savoir un peu où vous en êtes et vers où vous vous dirigez. Hein. Il y en a beaucoup trop. Alors, j'en veux qu'une pour commencer. Et non, vous en voulez deux. Voilà. Elle y est. Le 10 d'épée. C'est fou, hein. C'est fou les amis parce que je vous parlais de fin pour euh, redémarrer quelque chose. Cette fin en soi, ce 10 d'épée, ça n'a pas été euh, commode, là on est sur des épées, hein. vous avez souffert aussi bien moralement, euh, vous avez ressenti une détresse, pour certains ça a pu durer longtemps, hein. ça a pu durer un an, pour d'autres ça a pu durer jusqu'à 9-10 ans, il y a vraiment eu une, des, comment dire, des épreuves, des épreuves que vous avez traversées, mais vous les avez traversées, et c'est ce qui vous rend si fort, si forte aujourd'hui. Voilà. C'est ce qu'on me dit de vous dire en tout cas. Le 9 de bâton, vous voyez le 9. Je l'ai eu tantôt, le, le, le 9. Le 9, c'est... Voyez, le 9 de bâton, il y est arrivé. Ça n'a pas été facile. Il est là. Mais il est fatigué. Il a besoin de cette pause. Il a besoin de cette réflexion. Il a besoin de cette prise de recul pour continuer à avancer ici. C'est vraiment ça. Et en parlant d'avancer, on a la carte du chariot, les amis. Donc, le chariot, quoi qu'il en soit, peu importe euh, sa vitesse de croisière, il vous amènera toujours euh, à votre destination et une destination dévouée au succès. Ici, hein, il faut le savoir. Hein. Okay. Et vous avez la synchronicité des deux sets. Hein, le 7 set qui est un, un, un nombre très spirituel. Euh, C'est ça. Préparez-vous, les amis. Mettez-vous en marche, préparez-vous à devenir, à devenir cette reine de bâton, à devenir cette femme ou cet homme charismatique, qui a le pouvoir dans ses mains, qui est capable de réaliser des choses magnifiques et qui n'a plus peur de se montrer. Elle s'affirme, c'est une femme, elle est affirmée, elle n'a pas peur de se montrer ici. Et regardez à l'arrière, l'étoile des amis, on vous dit « garde la foi ». Crois en tes valeurs, crois en ton potentiel, en tes infinies possibilités, parce que l'étoile, c'est vraiment ça. Oh là là, reflet, les amis. L'étoile, c'est vraiment ça. Donc, croyez en vous. Les choses avancent. À partir du moment où vous l'aurez décidé, vous deviendrez cette personne. Vous deviendrez ce personnage fort, parce que vous avez résisté. Vous avez traversé ces épreuves au lama, les amis. Et là, il est temps de passer à autre chose. Vous voyez? C'est dingue, hein, les amis. 6-6. Là, il est temps de passer à quelque chose. Et de quoi on parlait là tout de suite? De cet enfant intérieur. Le 6 de coupe représente vraiment cette connexion à votre enfant intérieur. Tant que vous ne passerez pas à autre chose, vous ne pourrez pas reconnecter à cet enfant intérieur. Le 6 de coupe nous parle de relations qui vont être divinement guidées pour vous aussi dans votre relationnel. Que ce soit. Parce que vous avez envie de travailler avec les enfants, ou que ce soit dans votre relationnel familial ou autre ici, mais des gens qui vous correspondent à vous. Parce que, je répète, vous n'êtes pas pour tout le monde, et vous n'êtes pas comme tout le monde, les amis ici. Je vous le répète. Hein. Mmh. Les messages sont très, euh, très beaux, très puissants. Donc, ne vous tracassez pas, vous allez. Ici, avancer, step by step pour certains. Je ne dis pas que tout le monde va monter sur ce chariot et dans un mois, l'histoire est réglée. Hein, je ne vais pas vous promettre des choses qui ne sont pas. Tout dépend de votre rythme, tout dépend de votre personnalité, tout dépend de ce que vous avez vécu. C'est pour ça que ça reste du général. Mais si vous avez su surmonter toutes ces épreuves, alors vous êtes bien capable euh, de prendre ce nouveau départ. Et ce coup-ci, je ressens énormément de lumière pour vous énormément de lumière sur votre route ici. Que vous disent vos guides Dévotion, esprit de la nature. Moi, j'ai l'impression ici, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dévoués. Euh, C'est quelque chose qui est en vous. C'est inné. Mais parfois, vous vous êtes dévoués, euh, peut-être pas pour les... Oui, je, je suis désolée, j'ai un coton dans l'oreille parce que bon, j'ai encore des petits, des petits soucis. Euh... Vous êtes dévoués, vous êtes des gens empathiques et on voit à nouveau ces étoiles ici. Hein. Donc vraiment, vous êtes euh, très humains, euh, beaucoup euh, dans les causes humanitaires. Ça peut être pour les animaux, pour la nature aussi. Vous êtes dévoués et vos guides vous confirment ici de vous reconnecter aussi aux esprits de la nature, aux animaux, aux plantes, aux végétaux, aux élémentaux. Vous êtes fait pour ça, par contre. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour euh, connecter quand vous vous baladez, quand vous sortez dans la nature, ça vous fait un bien fou. Reconnaissez-le, hein, même si c'est difficile parfois de sortir de chez soi quand on n'est pas bien, mais dévouez-vous à quelque chose qui est dans votre nature aussi, qui est fait pour vous. Progrès constant. Regardez les amis. nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous avez faits en vous attendez pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées vos sentiments et vos actions bienveillantes donc ils le savent là-haut sandalphon le sait que vous faites des progrès vous êtes des personnes très courageuses hein. Vous avez, vous avez mené votre barque jusque maintenant et ça n'a pas été facile. Il y a eu des tempêtes, des ouragans, des orages. Mais vous avez résisté. Et j'ai cette magnifique chanson pour vous de France Gall. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Et ça. Vous êtes des personnes très fortes à l'intérieur de vous. Quoi que vous en pensiez, vous avez cette force en vous. Avec l'oracle de 100K, vous avez bien sûr les coordonnées de Gaël qui a créé ce magnifique oracle dans la barre d'infos de la vidéo, si vous désirez l'acquérir. Ici, on a la carte 55, encore un maître nombre ici, et qui nous donne 10, donc qui nous donne une fin pour un nouveau départ qui vous parle de votre élévation sociale, de construction d'entreprise. Tes affaires ou finances vont être en pleine expansion. Tu vas pouvoir être fier de ce que tu as accompli ou de ce que tu as accompli. Reconnaissance et encouragement. Donc là, Sandalfons, clairement, et vos anges vous encouragent à continuer, vous êtes sur la bonne voie. Seulement, vous manquez peut-être encore un peu de confiance en vous. Vous devez recharger vos batteries ici. Pour certains, il y a une pause, il y a du repos à prendre. Il y a un travail de lâcher prise à faire, mais vous allez y arriver. Regardez comment vous vous élevez et regardez toutes ces couleurs. Les amis, c'est juste magnifique. Les couleurs, vous voyez, très chaleureuses en fait. Vous reprenez, vous voyez, je vous parlais de votre chakra du plexus solaire. On est vraiment là-dessus. Vous allez reprendre de la confiance en vous, mais pour ça, il faut que vous admettiez que vous êtes unique, authentique, et pas dans l'ego. Que vous êtes un être qui a besoin de vibrer euh, à travers ce qu'il ressent en fait, avec des mêmes vibrations énergétiques autour de lui. Nous vibrons tous différemment, on va dire plus ou moins les mêmes. Voilà. Alors, avec les petits qu'est-ce qu'on vous dit Time to act, c'est vraiment ça. On vous dit vas-y, en marche. Voyez le chariot, euh, toutes les cartes qu'on a eues depuis le début. En disant, vous savez déjà, euh, faites de la place, allez-y, mettez les choses en place. On a eu la carte entreprendre. Time to act, il est temps d'agir. Vous avez bien travaillé et vous avez encore du pain sur la planche, les amis. Euh, on vous dit aussi que le dur labeur, eh bien, il finit par porter ses fruits ici. Hein. Money, pat, pat with money is waiting for you to find it. Euh, un chemin d'abondance vous attend. Et il n'attend que vous, que vous le trouviez, que vous vous dirigez vers ce chemin d'abondance. Mais pour ça, on ne peut pas le faire à votre place, les amis. Même l'archange d'Alphonse, qui est euh, puissant, euh, vous guide à travers ses messages, mais ne le fera pas à votre place. Il est temps d'agir, les amis, ici. Hein. Il ne vous manque que ça, en fait, hein, parce que vous êtes extrêmement connectés, mais vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes. Plenty of material things. Waouh! Donc, on vous dit ici que. Mais c'est ça, hein, Votre dur travail va à un moment porter ses fruits. Et vous n'aurez plus euh, cette sensation de manque en termes financiers, en termes de ressources, en termes d'émotionnel. Vous allez être comblé, en fait. C'est vraiment ça, hein? Bon, on va voir ce que les anges ont à nous dire avant de terminer avec un beau message de de ben, notre cher Jésus-Christ ici et de l'Archange Michael. Alors, soit vous avez une question et ça répondra peut-être à votre question, soit vous vous laissez guider, il hein, n'y a pas de, de choses préétablies sur la chaîne et on va aller voir tout ça euh, ensemble ici, les amis. Hein. C'est dingue, hein alors c'est dingue. Alors je reprends la carte, comme ça je pense que là au moins ce sera clair. Agissez. Les anges, vos guides, l'archange Chandalfon vous dit il est temps d'agir. C'est presque un réveil. Réveille-toi. Si tu as pris cette pause, si tu as fait ce bilan, alors il est temps. Pour ceux qui, sont, qui ont besoin encore bien sûr de quelques jours, de quelques semaines, on ne vous dit pas là tout de suite maintenant, mais n'attendez plus trop longtemps. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à l'action ici. Ou quelqu'un, ou peu importe. Hein. On vous dit oui, donc on vous confirme oui, abondance, plenty of material things, vous allez récolter. Parce que euh, vos efforts rondement menés vont vous apporter des solutions, de nouvelles opportunités et le fait d'acter tout dans la matière va vous permettre de, de ressentir matériellement, en étant ancré, cette récompense, parce que vous la méritez, les amis. Vous la méritez. Quelle qu'elle soit, vous la méritez, on me dit ici. Voilà. Alors, le message de Jésus-Christ pour vous, mes amis, donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38 Donc donnez et il vous sera donné. Si vous avez toujours été dans la dévotion, si vous avez donné, eh bien, on vous remettra en retour. Si des personnes vous ont déçu, malgré que vous leur avez donné de l'amour, de la joie, de l'attention, de la compréhension, et que vous n'avez pas eu ce retour, ça viendra d'autres personnes, mais il vous sera donné. Si ça n'a pas été le cas, que vous avez toujours été euh, sur vos avoirs parce que par peur ou par. Euh, eh bien, commencez à être dévoué. Commencez à partager des choses. Commencez à donner, je ne sais pas moi, un petit peu d'attention à hein, sans-abri, euh, de secourir un, un oiseau. Hein. Vous voyez, c'est. Euh, exemple, on a fait notre BA du dimanche, Marie et moi. On a, on a vu deux chiens dans la rue. On avait un peu idée d'où ces chiens provenaient, puisque dans le quartier, on les avait déjà vus. Euh, donc, euh, on a tenté d'aller prévenir le propriétaire qui effectivement cherchait ces chiens. On est parti euh, presque en ranger, euh, voilà, parce qu'en plus, ben, ils étaient un peu bouseux, les, les deux loulous, parce qu'ils étaient partis dans les champs. Et on les a euh, remis à leur propriétaire. On a réussi à les attraper. Euh, on a voulu les mettre dans le coffre de la voiture, mais ce n'était pas possible. Et on est allé euh, chez cette personne. Enfin, voilà, on a attendu que la personne arrive, puisqu'on l'avait prévenu de l'endroit où on les avait vus. Et heureusement, heureusement, ils étaient, euh, ils étaient encore là. Euh, donc, euh, eh bien, le monsieur nous a euh, vraiment euh, euh, dit un gros merci. Il nous a récompensé, euh, bon, il nous a offert une petite bouteille, voilà, de vin rosé. Euh, mais c'était sympa parce que vous sentez que vous avez fait du bien, parce que vous vous mettez à la place de l'autre et vous vous dites, ben moi, si mes chiens, euh, voilà, se perdent, eh bien, j'aimerais bien qu'une personne comme ça me retrouve euh, mes loulous. Vous voyez? C'est un exemple, c'est du vécu, mais ça peut être n'importe quel exemple. Tout ce que vous donnez, même si vous ne connaissez pas les personnes, tous les bienfaits, toutes les bonnes actions que vous mettez en place, vous seront rendus au centuple, je vous assure les amis. Peu importe, quelle est l'action 1. Hein. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence, voyez Et je vais vous reprendre cette carte, c'est inouï. Les messages qu'on a eu pour vous aujourd'hui. C'est pour ça que je prends le temps de faire ces guidances. Euh, vraiment, c'est important. Face your true notes. Admettez la vérité vous concernant. Embrassez votre originalité. Acceptez que vous n'êtes pas comme tout le monde et pour tout le monde. Une fois que vous aurez fait ça, les amis, vous pourrez agir, on a à nouveau ce mot agir en conséquence. C'est juste ça qui vous bloque en fait ici. Alors, votre prière à l'archange Michael, et ça ça va être important, si vous désirez vous la noter, hein, les amis, il n'y a pas de souci. Je vais vous la mettre ici, mais pas sûr que vous saurez tout lire. Archange Michael, toujours bien, euh, voilà, lui demander. Archange Michael, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et les autres. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Alors, mon cher Archange Michael, ça c'est moi qui rajoute parce que je trouve ça tellement respectueux, voilà, vis-à-vis de l'Archange, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce. Et l'acceptation. Me rendons honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Plus magnifique. Donc admettez la vérité vous concernant. Vous êtes de magnifiques personnes, les amis, ici. Admettez-le vraiment, c'est important. Et ce n'est pas être dans, dans l'ego que d'admettre qu'on a euh, des choses à montrer au monde. On a des choses à apporter à son prochain, bien sûr. Alors, pour les chemins de vie, année personnelle, les amis, euh, si il n'y a rien de tout ça, pas grave. Hein, C'est un complément d'information. Année personnelle, chemin de vie 5, chemin de vie, maître nombre 11, année personnelle ou chemin de vie 3, année personnelle ou chemin de vie 7. On a eu deux fois le 7 tantôt. Pour les signes astro qui peuvent être votre solaire ascendant ou lunaire, les amis, Mes amis capri, mes capricornes d'amour, mes vierges, mes amis taureaux et mes amis lions, et mes amis lions, le message est peut-être aussi euh, hein, pour vous tous, si vous êtes ascendant, ma mouline en lion, time to act, ou si vous avez le Mars en lion, hein, parce que Mars est vraiment la planète de je passe à l'action. Hein. Time to act. Donc Taureau Lion Vierge Capri et chemin de l'année personnel si c'est les vôtres. Merci beaucoup de m'avoir suivi Je vous aime vraiment. Je vous envoie tout mon amour. Merci pour ceux qui font un petit don. Merci aux nouvelles personnes qui arrivent. Merci pour vos partages et puis on se retrouve très bientôt les amis. Euh, je vous envoie toute ma lumière vraiment. À bientôt. Mes amis du groupe 2, bienvenue dans cette guidance avec ces magnifiques messages de l'archange Sandalfon que nous allons découvrir ensemble ici. Je commence avec une carte de l'oracle des Starseeds euh, qui est en anglais et euh, qui, a été, qui a été fait par Rebecca Campbell et dessinée par Daniel Noël et c'est aux éditions A-House. Voilà. Le Star Seeds Oracle, qui est juste magnifique. Les illustrations sont vraiment top. Alors, pour vous, mes amis du groupe 2, merci d'être là déjà avec moi. Start bat Batting. Light Body Crystal Grid Transmission Activation. Donc, euh, un bain d'étoiles, les amis. Regardez comme elle est belle. Un bain d'étoiles pour vous ici. On vous parle du corps léger, d'une. Grid, grid. Grid, c'est gris, mais ça se dit pas, ça ne se traduit pas comme ça. Euh, moi, je dirais plutôt un. Un voile de Christ. Pas un voile, mais. L'énergie du cristal, je dirais plutôt ça comme ça. De transmission et d'activation. Donc, j'ai l'impression ici, mes chers amis du groupe 2, que vous êtes dans une énergie de. Chose qu'on demandait d'ailleurs au groupe 1, euh, dans une énergie de lâcher prise. Vous êtes en, en pleine guérison, vous êtes en train de recharger vos batteries ici. On vous dit aussi que vous avez un grand pouvoir de transmission. Vous êtes probablement ici des êtres de lumière où vous faites passer euh, des choses aux autres juste magnifiques. Vous pouvez transmettre votre savoir, vos savoirs, vos expériences, vous êtes des êtres très spirituels. Vous êtes en train d'activer quelque chose, en tout cas, à ce niveau-là. Une transmission qui vous a été euh, déjà léguée à la base par vos ancêtres, que vous pouvez retransmettre aux autres personnes qui en ont besoin ici. Vous êtes en train d'activer tout ça. Moi, je ressens beaucoup de personnes ici qui sont en train de, de refaire un petit nettoyage énergétique. Qui sont en train de se rendre compte de, de l'importance de cette purification. Ça peut être en, en méditant, en écoutant des musiques de guérison, pendant la nuit, pendant vos moments euh, où vous êtes un peu plus apaisé. Vous acceptez ce qui arrive en fait ici. Vous acceptez ce qui vient à vous. Vous êtes en train d'attirer quelque chose à vous ici. Moi, je pense pour beaucoup, sans, sans, voir, sans avoir vu les autres cartes, hein, parce que j'irai prendre également le tarot devant vous, que euh, c'est dû peut-être à un choc émotionnel, à une situation qui vous a bouleversé, euh, à quelque chose qui vous ennuie, qui vous angoisse, qui vous tracasse ici, où vous n'avez pas eu d'autre choix que de lâcher prise et de vous laisser euh, baigner par ces étoiles. Par cet espoir euh, que vous nourrissez en vous, et c'est très très beau hein, ce que je ressens ici. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs les amis. Il nous parle d'échecs. On nous parle de professionnel, du travail en tout cas, du travail peut-être que vous faites sur vous aussi, peut-être que vous avez essayé jusqu'à maintenant de euh, faire ce travail d'énergie, euh, de purification énergétique, je voulais dire, et vous n'y êtes pas arrivé. À chaque fois, ça se soldait par un échec. À chaque fois, il y avait à nouveau un obstacle. Vous ramassiez quelque chose sur la tête, façon de parler, bien sûr. Ou bien, ça peut vraiment être, vous vous sentez pour le moment dans une situation d'échec professionnel, où vous avez beau, beau eu, euh, mettre toute l'intention, les efforts que vous vouliez ça ne fonctionne toujours pas. Et là, je pense que vous vous dites, là, il est temps que je remette tout ça à l'univers et que je me laisse complètement transporter. Surtout, surtout, je ressens une grande foi, une grande spiritualité en vous, donc vous ne laisserez rien tomber. Vous n'allez pas, euh, vous allez lâcher prise, mais vous n'allez pas baisser les bras pour autant. Parce que... On me dit souvent, oui, mais papillon, tu parles de lâcher prise et puis tu dis, euh, ne baissez pas les bras. c'est pas la même chose, hein, le lâcher prise et baisser les bras, les amis. Baisser les bras, c'est connecté à, à la force qu'on a à l'intérieur de nous, à ce qu'on a vécu. Le lâcher prise, tout le monde peut le faire. Le lâcher prise, c'est ce euh, c'est pas de la négligence. Hein. Ce n'est pas vous lever le matin et dire, m'en fout de tout, en fait. Non. <laughs> c'est différent. Ça peut être très compliqué à expliquer. Mais le lâcher-prise, c'est un état d'être où vous lâchez-prise sur ce qui vous tracasse, sur ce qui vous angoisse, sur ce qui, qui vous met à mal en fait ici. Et ici, si vous êtes dans cette situation d'échec professionnel, ou si pour l'instant au travail, ça va pas des masses, je pense que votre corps ressent qu il a besoin de se... Ce de se purifier, de se nettoyer. Peut-être aussi lâcher des addictions, lâcher des choses qui ne vous conviennent plus. Des schémas de, de pensée, des schémas récurrents ici. On vous parle du voyage ici. Oh, et on vous parle de l'abondance, les amis. On vous dit que peu importe ce que vous avez vécu au, au, au niveau du travail qu'il soit intérieur, que ce soit vraiment lié au domaine professionnel, les choses vont bouger et vous allez récolter les amis. Il y a cette notion d'abondance ici. Bon, si c'est professionnel, on sait très bien que c'est lié aux rémunérations, donc ça peut être ça, mais si c'est intérieur, vraiment, vous allez aller chercher plus d'abondance ici. Les choses bougent. Alors, pour certains, on peut me parler d'un déplacement euh, professionnel. Pour l'instant, vous ne savez pas encore trop bien ce que ça va donner, et on vous dit... Et confiance, parce que là, apparemment, il y, a une belle, il y a une belle réussite, il y a un beau succès pour toi ici. Je vais aller recouvrir hum, cette carte d'échec ici, les amis. Ouf. Mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'échec, s'il vous plaît Message, mais qui est une seule carte. C'est ça. Moi, je pense honnêtement, le message ici, les amis, avec l'échec et le voyage qui arrive une, une fois de plus, le voyage nous parle de déplacement, nous parle, euh, nous indique que les choses bougent et évoluent ici. Je pense que c'est juste une sensation. En fait, vous n'êtes pas réellement en échec. Euh, je pense que vos pensées sont un peu disparates, c'est-à-dire que. Euh, vous vous posez énormément de questions au niveau professionnel. Et du coup, vous vous sentez parfois un peu déstabilisé en train de vous demander si vous êtes euh, ici à votre juste place ou pas. Alors, on va aller voir avec la carte du, du travail. Hein. Ouais. Vous vous demandez si vous êtes sincère avec vous-même ou si, si les gens sont honnêtes et sincères euh, autour de vous ici. Clairement, c'est ça. Hein. On peut aussi parfois être malhonnête avec soi en, en pensant qu'on est sur la bonne voie et on ne l'est pas du tout. Moi, je crois que c'est juste une sensation ici. Hein. Ouais. Ça peut être dans vos communications aussi, hein, parce que le travail, on est vraiment sur Mercure ici. Ça peut être dans vos communications, dans vos échanges. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Vous n'êtes peut-être pas bien entouré ou il y a peut-être encore des personnes... Euh, euh, voilà, avec qui vous devez prendre de la distance ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur euh, la carte du voyage, là, les amis. Regardez, c'est fou. Hein. Donc, on nous parle bien de déplacement ici. On dit que ça bouge au niveau de votre travail, qu'il soit intérieur ou professionnel. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon oracle des miroirs en double. Hein. Je l'avais expliqué à l'époque pourquoi. Hein, donc, je ne vais, vais pas réexpliquer, mais... Euh, donc ça confirme aussi certaines énergies ici. Hein. Et vous voyez, vous avez la réussite au bout. Il y a l'abondance qui arrive à vous, les amis. Moi, je pense que... Arrêtez de disperser vos pensées. Je pense que c'est plus vos pensées ici. Au plus, vous allez vous dire, je suis en échec, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'ai pas l'abondance euh, en contrepartie. Ou plus vous allez bloquer les énergies. Et ça, c'est un fait. C'est qu'en fait, quand on est négatif, eh bien, on n'attire que le négatif. Le positif attire le positif. Et c'est ça, euh, c'est cette énergie sur laquelle Sandalphon Fond veut vous veut que vous focalisez. Continuez à travailler. Moi, je pense que pour beaucoup, vous êtes à votre juste place. Ou pour beaucoup, vous venez de changer d'emploi de, et il faut le temps que les choses prennent. Et vous avez du mal peut-être avec le temps qui passe, du mal avec la patience peut-être aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'échec et la trahison Ouais, il y a quelque chose qui. Pour l'instant, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enfermé dans une situation professionnelle ou autre d'ailleurs, voilà tout simplement. Vous avez peut-être envie que ça bouge, vous avez peut-être envie de bouger euh, d'un endroit aussi partir d'un endroit de vie où vous êtes censé euh, travailler, peut-être de la maison ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit que c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive à vous, les amis. Hein. Vous vous sentez peut-être pointé du doigt aussi. Vous avez du mal avec la critique euh, des autres ici, je pense. Il y a bel et bien un changement. Hein. À la coupe, on a un changement. Sur la prochaine saison, donc peu importe au moment où vous me regardez, sur la prochaine saison, il y a un changement. Avec quelqu'un en amour aussi, il y a une communication qui revient ou il y a une communication qui naît avec une personne que vous allez beaucoup aimer. Euh, si c'est pas de l'amour, le vrai, le pur, ça peut être une amitié qui, qui démarre aussi. Mais il y a du changement par rapport à tout ça. Donc, ne vous enfermez pas dans des schémas de pensée récurrents comme, comme vous avez l'habitude de le faire à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à changer dans votre énergie. Parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez cet espoir, vous avez cette foi, vous avez cette force, vous avez cette grandeur en vous. Mais euh, pour l'instant, il y a quelque chose qui vous bloque dans une situation, soit professionnelle, soit de vie. Et il y a moyen de changer les choses, les amis. Ouais. Alors on vous confirme. Si vous avez des problèmes de santé ou de bien-être, on vous confirme avec le verdict. Ça c'est Sandalphon qui me dit de vous le dire que vous allez prendre de la distance, que la situation au niveau de la santé va s'arranger. Que ce n'est pas grave en soi, mais qu'en prenant de la distance avec votre lieu de vie, votre lieu de travail, euh, votre activité professionnelle, en laissant un peu les choses à l'univers, vous allez activer la chance ici, les amis. Croyez-moi, hein. croyez-moi, hein. Croyez parce que ça, euh, nos énergies, elles sont bien plus impactantes qu'on peut le croire, euh, ce qu'on projette en reflet miroir. Avec le monde extérieur, et eh bien parfois, euh, on serait surpris euh, des conséquences ou des avantages que ça amène par la suite. Hein. Avec l'oracle quotidien, mais regardez, on vous le confirme, un événement heureux se prépare. J'ai l'impression que l'archange Chandalphon veut vraiment, vraiment que vous compreniez que vous êtes sur la bonne voie. Que votre travail de purification, de guérison est en train de se faire, et que vous ne devez pas avoir peur, en fait, de la suite des événements. Euh, laissez votre mental au placard, les amis. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance, une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Et c'est ça que j'étais en train de vous dire. Hein. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc même si au moment où vous me regardez, les amis, vous n'y croyez pas, je vous assure qu'il y a un événement heureux qui se prépare. Peu importe le domaine, hein, les loulous. C'est magnifique, magicien. Avec la lumière de fée de Valérie Mottet, on a une connexion profonde avec votre âme. Et je l'ai senti, hein, avec cette star, star betting, euh, cette, ce bain d'étoiles que vous êtes en train de prendre. Il y a une connexion qui se refait avec votre âme. On a la passion. Oui, vous allez. Vous connectez. En fait, je pense qu'ici, vous êtes des âmes, vous avez toujours été des âmes passionnées, même dans vos vies euh, antérieures. Et vous avez peut-être un souci avec ça, parce que ça part dans tous les sens. Et en fait, ici, ce que vous êtes en train de faire comme travail, c'est vous reconnecter à cette âme passionnée. Parce que cette âme passionnée, elle vous dessine des jours heureux. On vous le dit, elle vous prépare un heureux événement, parce que vous êtes complètement connecté avec, avec ce que vous savez faire de mieux dans la vie. On vous parle de vacances. Donc là, on parle de famille. Donc c'est peut-être euh, euh, un déplacement. La passion, elle peut être amoureuse ou autre. Hein. Voilà, tout simplement. Ici, on est sur le domaine sentimental. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, on voit que vous avez tous les deux euh, cette passion, en fait. Vous avez peut-être les, euh, les mêmes passions. Vous avez cette connexion d'âme à âme qui est très passionnée. On vous dit que vous allez pouvoir peut-être euh, vous projeter. Partir en vacances pour certains, faire un beau voyage, partir à l'étranger, euh, vous expatrier, euh, aller dans une autre région où il y a plus de soleil, peu importe. On voit le bord de mer, on voit les coquillages. Soyez à l'écoute parce que moi je pense qu'il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça et on a une connexion avec votre âme-sœur. Donc, soit vous êtes déjà dans ce lien d'âme-sœur, soit il y a une connexion qui arrive ici. À vous. Et c'est pour ça qu'on vous parle de jours heureux qui se dessinent connexion particulière avec une personne ici si elle n'est pas déjà là ça risque de se faire pour certains c'est peut-être pendant ce voyage où vous avez besoin de vous reposer si n'est pas un voyage réel vous avez besoin de vous reposer et du coup vous sortez un petit peu plus à l'extérieur en vous disant voilà euh, moi j'ai pris j'ai posé mes congés j'ai 15 jours de congés... Et et voilà, je me balade simplement dehors et hop, je croise quelqu'un et c'est le début d'une grande aventure. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Je vais aller voir si on peut encore m'en donner une, les amis, par rapport à, à tout ça ici. C'est dingue, hein. regardez. On vous dit, gardez la foi. Et c'est vraiment toute l'énergie que j'ai eue pour vous ici jusque maintenant. Et on vous parle d'une nouvelle rencontre. Donc, pour certains, si la personne n'est pas encore là, on vous parle d'une rencontre d'âme à âme. Qui va vous faire vous sentir bien, vous allez vraiment profiter de l'instant présent, les amis. Je pense que ça, vous avez compris, que c'est l'instant présent le principal et qu'il ne faut plus vous préoccuper de ce qui va arriver la semaine prochaine, dans trois mois, vous voyez Juste prendre des énergies telles qu'elles viennent, en fait. Et il y a bien une réunion d'âme à âme avec quelqu'un et de la communication. Soit qu'il revient dans cette union. Dans cette, euh, voilà, cette union d'âme à âme, soit avec une nouvelle personne. Votre âme a besoin aussi de communiquer avec vous, on me dit. Hein, parce que là, ça peut être vous en face de vous-même. Ok, waouh, mais c'est euh, vraiment très joli, hein, les amis. Alors, ici, avec l'ange indigo de Charles et de Dorine Virtuo, aimez-vous. On vous dit qu'en plus, vous êtes aimé. Vous êtes aimé par, euh, par vos anges, vous êtes aimé par vos anges gardiens, par vos archanges, par l'univers, mais vous devez aussi vous aimer. Vous acceptez tel que vous êtes. Et je pense que ça, vous êtes en train de le comprendre. Vous aimez tel que vous êtes. Aussi bien dans le choix 1, était, on était sur une autre énergie, mais ça pouvait se rejoindre un petit peu. Aussi bien, vous, vous travaillez là-dessus. Et on vous dit que vous êtes extrêmement aimé. Ou que quelqu'un qui n'est pas encore là va vous aimer d'une façon euh, extraordinaire ici. Croyez en vous. Donc, tout ce que vous, vos anges vous demandent ici, c'est de croire en vous et de continuer à vous aimer pour la belle personne que vous êtes. Vraiment. Ils confirment, vous êtes aimé. Hein. Incroyable. Hein. Est beau c'est magnifique alors bien sûr je n'allais pas faire un, une guidance euh, ici de l'archange sandalphon sans les amis bien sûr vous euh, donner les messages de son jumeau voilà de métatron ici hein. donc l'archange métatron qu'est ce qu'il vous dit ces cartes ont de très belles énergies en général hein. ok Conquête de la peur, commencez dès aujourd'hui la carte 17. N'ayez plus peur. Et vous voyez, ça rejoint un peu l'énergie 17. On, on ira le voir après avec le tarot mais de l'étoile en fait. Il hein. euh, y a encore des peurs. On ne va pas se mentir ici dans le groupe 2. Vous travaillez sur ces peurs pour moi. Et j'ai l'impression que dans peu de temps, vous n'allez plus avoir peur. Vous avez déjà fait un grand pas en avant ici. Parce que la conquête de la peur, ça veut dire que vous avez déjà compris qu'il y avait des peurs à, à travailler. Et oui, pour certains et certaines, vous allez me dire, bof, bof les peurs, ça ne se travaille pas. Oui, ça se travaille. Je vous assure que les peurs se travaillent. À partir du moment où on en a conscience, bien sûr. Hein. Sinon, faites-vous aider. Hein. Euh, les amis, si vous sentez que vous avez encore des peurs, que vous n'arrivez pas à travailler dessus, mais n'hésitez pas à faire appel à mon mari notamment. Son lien est dans la barre de, de description, donc c'est Réveil de l'Âme, voilà son site. Euh, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas non plus parce que tout ne va peut-être pas vous parler ici, donc n'hésitez pas à me contacter via mon site ou euh, par SMS via mon mobile. Mais à partir du moment où vous en avez conscience, tout ce travail. Maintenant, s'il y a encore des choses inconscientes et que vous avez besoin qu'elles vous soient révélées, n'hésitez ben, pas à faire appel à quelqu'un. Mais ici, il faudra vraiment travailler sur ces peurs, c'est important. Évolution, faire naître la nouveauté, la carte 40. Oui, nouveauté, naissance. Alors, naissance dans tous les sens du terme ici. Regardez, j'ai le couple. Je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a les deux flèches il y a le couple, il y a l'union qui donne naissance à ce bébé c'est peut-être l'annonce d'une grossesse hein, pour vous, madame, ou euh, voilà, de quelqu'un qui est cher à, à votre cœur, que vous connaissez dans la famille. Mais pour d'autres, c'est vraiment un nouveau projet. Vous affirmez avec euh, un changement, avec de la nouveauté ici. Vous affirmez pour ne plus avoir peur de mettre en place cette nouveauté. Le feu, la force du dragon, carte 19, magnifique. Alors, je ne sais pas si vous le savez, on est dans l'année du dragon, là, du dragon de bois, hein, en, en, en astrologie chinoise. Et en fait, le dragon, ici, c'est un puissant protecteur, c'est un guide très puissant. Et euh, ça parle bien de cette année, du coup, hein, pour ceux qui me suivent maintenant en 2024. On vous dit que vous aurez cette force. Pour vous affirmer et pour changer les choses ici. Vraiment, c'est ça que, que Métatron veut vous faire passer comme message. Vous en êtes capable. Vous avez ce feu, vous avez cette force. Et vous êtes, pour moi, conscient, ou vous allez l'être bientôt, des peurs qu'il y a encore à travailler en vous. Parce qu'on vous dit que vous êtes aimé, mais il faut aussi apprendre à vous aimer et vous respecter. Avant toute chose, avant votre autre, avant, euh, je ne sais pas moi, euh, vos voisins, avant les personnes que vous côtoyez sur votre lieu de travail. Si vous vous aimez, ça va se ressentir. Quand je dis s'aimer, c'est pas être dans un ego démesuré. Hein. Ce n'est pas aller vous pavaner et dire Regarde comme je suis beau, je suis belle, allez à la salle de sport et montrez vos muscles. C'est pas ça. C'est juste que c'est une énergie et qu'elle se ressent en fait ici. Donc je pense que ça, vous en êtes conscient. Et là, vous allez reprendre une de ces forces, les amis, un truc de dingue. Pour certains, ça va aller vite. Hein. Ça peut être d'ici une à quatre semaines, on me dit. Donc, une semaine, un mois, et pour d'autres, peut-être deux mois. Mais grosso modo, c'est ça. Hein. Je n'aime pas trop faire des prédictions dans le temps, mais on me le donne, donc je vous l'apporte. Hein. Pour ceux qui sont déjà conscients et qui sont déjà en train de travailler sur ces peurs, ça peut aller très vite. Hein, Ou là, vous vous affirmez, vous dites, bon, voilà, je veux que ma vie, elle change. Et si j'en ai conscience et que je le désire vraiment, je peux acter ces changements. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ok, les amis. Alors, les dieux des ces anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire avant que je prenne le tarot L'ange conseils. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Regardez l'étoile à nouveau, c'est dingue. Hein vous allez renouveler en fait. En fait, je pense qu'à la base, vous aviez un objectif, une direction, une décision peut-être à prendre et vous avez euh, un peu switché. Vous avez laissé cette décision, cet objectif, ce but euh, à atteindre derrière vous ou de côté en vous disant non, c'est peut-être pas fait pour moi. Et ici, c'est comme si cet ange vous dit il y a une occasion qui va se représenter à nouveau, un signe, une synchronicité. Vous allez comprendre qu'en fait, c'était la meilleure des choses pour vous. Ça, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous visualisez par, par exemple. Euh, un objectif pour vous personnellement. Vous avez croisé une thérapeute ou un thérapeute et vous vous dites ah je le ressens ça doit être cette personne et puis vous avez fait marche arrière comme beaucoup de personnes le font d'ailleurs hein. euh, parce que sachez quand même qu'un travail thérapeutique et énergétique ne se fait pas en une séance hein. il faut réitérer ré euh, tout dépend bien sûr de la gravité de la situation mais on a tendance à croire que, ben voilà, quoi, on se laisse guider, on se fait aider, une séance, c'est bon, c'est parti. On est au fait avec ça, ben non, pas forcément. Donc ça peut être ça, ça, ça peut être un exemple. Vous avez croisé un thérapeute ou une thérapeute, vous avez voulu rentrer dans son cabinet ou prendre rendez-vous, vous vous êtes dit non, non, mais arrête, arrête tes bêtises, c'est pas pour toi. Et puis vous êtes allé voir quelqu'un d'autre et puis vous vous dites, ah, mais en fait, non. Ça ne marche pas avec cette personne-là. J'aurais dû rester sur ma première. En fait, c'est presque comme si on vous dit ⁇ Votre première intuition, elle était la bonne ⁇ Le rêve que vous aviez dans votre cœur, le projet, la direction à prendre était la bonne. Et là, on va vous le remettre sur la route. L'ange du conseil arrive justement pour vous guider ici. L'ange des souhaits demandait, demandait l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Demandez l'aide et les conseils de l'univers et de vos anges. Oui, demandez. Il n'y a pas de mal à demander, vous savez, les amis. Demandez un miracle ici et maintenant. Demandez, voilà, je souhaite de l'aide pour euh, me permettre de me diriger vers la meilleure des voies. Je souhaite de l'aide pour mon domaine professionnel qui, qui n'avance pas. Je souhaite de l'aide pour, euh, pour mes problèmes de santé. Mais demandez clairement ce que vous désirez ici. Même si à la base, ça paraît peut-être un peu fou, hein, un peu exagéré, si vous, au fond de vous, vous savez que c'est le mieux pour vous, demandez-leur en fait. Tout dépend de l'archange. Bien sûr, vous pouvez demander à Sandalfon, puisque vous regardez cette guidance. Mais si c'est un problème d'injustice, demandez à Michael. Si c'est un problème à régler parce que dans vos énergies, vous vous sentez à plat et que vous avez du mal à acter cette guérison, demandez à Raphaël. Chaque archange a sa et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que j'ai fait des playlists avec les archanges, et ce n'est pas juste pour euh, faire des vues ou quoi, parce que vous pourrez remarquer que je n'ai pas dix mille vues pour ces vidéos, mais c'est le fait que ça peut vous apporter des messages importants sur votre voix. Les anges qu'ils ont à nous entre... à nous transmettre, c'est très important. Et on n'en tient euh, généralement pas souvent compte. Mais si vous êtes là, je pense que vous êtes à même de savoir que ces anges euh, sont là pour vous guider. L'ange de la joie. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Mais voilà. Quelque chose moi je pense ici, j'ai cette notion d'inattendu de de bouleversant. De bouleversant dans le bon sens du terme, d'inattendu d'imprévu. Il y a quelque chose que vous aviez au fond de vous, que vous désiriez tellement, et vous avez laissé un peu de côté. Vous vous êtes dit, c'est pas pour moi. C'est les autres qui ont de la chance, pas moi. Vous voyez ce genre de, de pensée qu'on peut avoir parfois. Et là, c'est comme si vous vous remettiez dans le bain, et vous vous dites, mais en fait, oui, c'est pour moi. Parce que vous recommencez à vous aimer. Et vous vous dites, mais en fait, je le mérite, quoi. Après tout ce que j'ai traversé, je le mérite. Et l'ange de la joie est là pour vous vous dire Mais oui, bien sûr que tu mérites d'être heureux et heureuse ici. Hein. C'est fou. Hein. Et on vous dit bien qu'un événement heureux se prépare. Hein. Et qu'il y a un renouvellement de la direction à prendre. Hein. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, les amis, mais demandez-leur. Hein. Si vous sentez que vous êtes plus à même maintenant, dans cette période qui arrive. Euh, que vous êtes prêt et prête à faire ce pas en avant et à changer de direction, eh bien, je pense que le moment euh, opportun arrive ici pour vous. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite hein. parce que je sens vraiment cette fois cette envie de changer les choses ici. Wow. Avec le tarot, et là je vais prendre la, le tarot, euh, l'héritage du tarot divin, je l'ai montré dans le groupe 1. Je vous remonte la boîte, il est magnifique, c'est de Chiro Marchetti aux éditions Exergue, les amis. Alors, le tarot pour mes amis du groupe 2, s'il vous plaît. Des petits messages supplémentaires, de conseils, de prédictions ici pour mes amis du groupe 2. Alors j'ai un message à vous faire passer aussi. Vous êtes très connecté au monde angélique. Et la preuve, c'est que vous avez eu trois messages d'anges. On a également les dieux, les déesses, mais vous avez eu trois anges l'ange du conseil, l'ange de la joie et l'ange de la demande. Euh, de la demande, c'est ça, je crois. Hein. Euh, l'ange de la joie, l'ange des conseils et l'ange des souhaits, les amis. Donc, en fait, vos anges aussi. Ils veulent vous aider à, à exaucer ce vœu que vous aviez fait à l'époque, euh, cette intention. Mais vous devez mettre l'intention, vous devez continuer à mettre l'intention sur ce rêve, sur ce projet, sur ce vœu. Vraiment. Vous m'en direz des nouvelles après les amis. N'hésitez hein. pas à revenir d'ici quelques semaines, quelques mois. Hein. Vraiment, ça me ferait plaisir. Hein. Que je crois que vous êtes en train de ressentir ici que les choses vont bouger. Hein. On a la carte de la justice, donc un équilibre qui se retrouve, des choses plus justes pour vous, si ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, les amis. Le roi de bâton, reprise de pouvoir personnel, ou c'est quelqu'un qui vous vient en aide, quelqu'un qui est juste, qui est droit, qui est loyal. Pour vous, madame, c'est peut-être un homme ici. Hein Alors je vais refaire, remettre mon attention, je vais arrêter de parler parce que j'aime bien vraiment... Euh, allez voir les cartes d'abord. Si vous avez toujours eu des problèmes d'injustice, des situations injustes dans votre vie, là, vous reprenez le flambeau, les amis. Soit c'est un problème en justice qui va se régler dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, où vous êtes en train de les régler, soit vous étiez complètement déstabilisé. Du à un manque d'énergie, à un manque de force à des situations tristes etc et là vous reprenez euh, vraiment de la force et du pouvoir ouais le groupe 1 l'ont eu aussi dans dans d'autres dans une autre circonstance voilà je vais dire ça comme ça le 9, c'est l'accomplissement l'aboutissement c'est aussi être fier de ce qu'on a pu euh, faire jusque maintenant d'avoir eu la force de traverser toutes ces épreuves mais euh, se relever malgré tout, mais être un petit peu fatigué. Donc, il est possible que là, pour le moment, ben, vous vous reposez un petit peu. Et oui. Pour charger vos batteries, hein. vous savez pourquoi. Nouvelle. Euh, <coughs> nouveau. Comment dire Nouvelle aventure qui se dessine. Il y a une remise à zéro. Il y a une remise à zéro des compteurs, des pendules, de tout ce que vous voulez ici. Je vais juste aller demander. Juste prendre une carte sur la justice, s'il vous plaît, pour mes amis euh, du groupe 2, s'il vous plaît. Le 6 de bâton, la victoire. Donc, si c'est la justice que vous avez demandé, une justice personnelle, une justice euh, terrestre, une justice divine. Euh, un juste retour des choses, on vous dit un grand oui, parce que le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de réussite, de triomphe ici. Le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de bâton, pour mes amis La foi. Et vous savez quoi, il est très beau ce message. C'est la carte du pape du hiérophante. Parce que vous êtes des êtres spirituels. Vous n'avez jamais cessé d'y croire en fait, même si à un moment vous avez laissé des choses de côté, vous n'avez jamais cessé d'y croire. Et ça, c'est juste magnifique les amis ici. Dans le fou, qu'est-ce qu'on a avec le fou Là, se coupe, nouveau départ les amis, remise à zéro. Peut-être pour certains, nouvelle personne qui entre dans, dans votre vie. Peut-être pour certains, on remet tout à plat sur de bonnes bases dans un couple. Mais c'est très émotionnel. De nouvelles émotions qui vont vous appeler à prendre ce nouveau départ. Et on vous, on vous parle bien d'événements heureux. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Ça peut être aussi euh, une aide, vraiment. Moi, moi je ressens peut-être une aide d'une personne, d'un roi de bâton ici. Oh là là, le neuf de Denis et les amis le 9 de dénier, la récolte, l'abondance, le vœu exaucé, le vœu qui se réalise pour vous ici. Je ne sais pas ce que vous avez demandé ou je ne sais pas ce que vous espériez depuis si longtemps, mais c'est en cours et c'est en train de se manifester, les amis. Hein. Clairement. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des, des guides La communauté, vos ancêtres spirituels. Et je vous ai dit tantôt quand on parlait de transmission, je vous ai parlé tout de suite de vos ancêtres. Hein. Euh, vous allez retrouver des gens de votre famille d'âme, pour certains, dans une communauté. Pour d'autres, ce sont vos ancêtres spirituels qui vous guident à être dans l'échange, à être dans le partage, à partager, à transmettre vos connaissances, à transmettre vos dons spirituels. Parce qu'ici, je vous ai dit dès le départ, je ressens des guides de lumière, vraiment des artisans de lumière ici. Écoutez. Alors le message des anges pour vous c'est écoutez. Alors on va aller voir tout ça. Tranquillisez-vous ami très cher. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc restez à l'écoute aussi vos ancêtres, vos guides ont des choses à vous transmettre. Et on vous dit d'être calme et patient parce qu'il y a bien de la nouveauté qui arrive à vous ici les amis. Hein. Avec les t ah, attendez parce que... Après on ira prendre un petit message de l'oracle de Sanka. Persévérez et vous allez voir les problèmes s'évanouir, disparaître, se régler les uns après les autres. Mountain road, you are on the road to success. Vous êtes sur la route du succès, même s'il n'est pas encore là présentement. Hein. Something important, such a new job or raise. Vous avez le sac rempli de pièces ici. On vous dit qu'il y a quelque chose d'important. Il y a un renouveau qui se prépare au niveau professionnel. Ça peut être une promotion, une rentrée d'argent, quelque chose comme ça ici. Crown, la couronne. Honor and respect will come to you. On va vous honorer et vous respecter, les amis. Si ça n'a pas toujours été le cas pour certains, on vous dit honneur et respect vient à toi. Je vais en reprendre une. On me dit d'en reprendre une pour vous. Quelque chose qui va être important pour vous ici. On vous parle du mois de mai et là j'ai la carte du hamac. Il vous parle de vacances physiques ou mentales. Quelque chose qui va vous apaiser là pour le, le mois de mai. On dit que vous allez rentrer dans une nouvelle expérience. Quelque chose que vous n'avez jamais encore expérimenté avant. Hein. Waouh les amis, alors mois de mai, si c'est pas le mois de mai, hein, parce qu'il y a des gens qui vont me regarder peut-être euh, après, ou voilà, si le mois de mai ne vous dit rien, ne vous appelle pas, ça peut être cinq jours, cinq semaines, ou ça peut être cette personne qui vient vous aider, qui est du signe du taureau du gémeau, ou c'est peut-être avec cette personne du signe du taureau du gémeau. Mais le mois de mai, ici, voilà, le 5 est important pour vous. Que vous dit l'oracle de Sonka Alors, ici, nous avons bien sûr l'oracle qui a été créé par Gaël. Euh, donc, cet oracle de Gaël et Michael. Et vous pouvez retrouver les coordonnées de Gaël dans la barre de description de la vidéo si vous voulez acquérir ce magnifique oracle de Sonka. La carte 29. Ton instinct permet de protéger ta meute et ton propre équilibre. Hum, vous avez le loup, hein, magnifique. Il est important de rester vigilant face à d'éventuelles jalousies. Garde pour toi les projets qui t'animent et aie confiance. Donc restez vigilant, protégez votre travail, protégez votre famille, protégez vos enfants, protégez tout ce qui vous est cher et n'allez rien divulguer. Soyez quand même méfiant et prudent ici. Là, on vous l'indique. C'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette victoire et de vous sauver d'une situation inconfortable. Alors. Que vous ayez une question ou pas, posez-la ou vous vous laissez complètement aller et ce sera de, des messages, hein, euh, tout simplement ici pour vous. On vous dit que ça dépend de vous. On vous dit que là, tout est entre vos mains, en fait, en, en, en quelque sorte. Hein. On vous dit de demeurer positif. Et on vous dit qu'il y a bien une occasion favorable qui arrive. Si vous demeurez positif, on insiste bien là-dessus. Tout dépendra de votre état d'esprit et de ce que vous allez appeler ici. Hein. Ok, trop beau. Alors, mes amis euh, du groupe 2, euh, un petit message de notre cher Jésus. Ayez foi en Dieu, Marc 11, 22. C'est dingue. Hein. Ayez foi en Dieu. Donc, vous êtes des êtres spirituels. Je pense que vous avez toujours eu la foi pour certaines personnes depuis tout jeune ici, hein, malgré les épreuves. Hein. Et on vous dit que vous pouvez continuer à avoir foi en Dieu. Que nous dit Michael et je vous lirai la prière à lui transmettre si vous avez vraiment besoin de lui demander ici un dénouement favorable, les amis. Waouh Donc, on vous confirme ici qu'il y a bien un événement heureux ou un dénouement. S'il y avait une situation bloquée, compromettante, problématique, il y a un dénouement favorable ici. Et si vous désirez vraiment que cette histoire se dénoue, demandez à l'archange Michael. Pardon. Archange Michael, merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées souvenez vous qu'on a eu la carte de la justice, les amis. Si ça, je dis rien. Merci, Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Pour l'instant, vous êtes dans une petite baisse de régime là. Continuez à garder la foi, les amis. Mais je pense que vous le faites honnêtement. Alors, je répète. Merci, Michael, pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Vous avez dit, vous êtes dans un groupe vraiment de personnes qui ont une formidable foi en eux, qui croient aux, aux guides, aux anges, qui croient à l'énergie de l'univers. Et, et pourtant, je sens des personnes qui ont eu du mal. Vous avez failli baisser les bras, mais vous ne l'avez pas fait finalement. Et là. On vous en félicite les amis. Hein. Vraiment. Hein. Ok. Alors, euh, on va terminer ici mes amis avec vos chemins de vie, années personnelle. Pour ceux qui arrivent, euh, j'ai fait une playlist à cet effet aussi avec vos chemins de vie, vos années personnelles et comment les calculer. Et Il n'y a rien de tout ça ici. C'est vraiment un complément. C'est comme ça que je, je fonctionne depuis le début sur ma chaîne. Chemin de vie, année personnel 6. Chemin de vie, année personnel 4. Chemin de vie, année personnel 1. Chemin de vie, maître nombre, 22. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les signes astrologiques ici, les amis Nous avons nos amis les poissons. Ça peut être votre solaire ascendant ou lunaire ici, les amis. Hein nos amis les versos, l'étoile. Pourquoi ça ne m'étonne pas Nos amis les sagittaires et nos amis les scorpions, scorpions. Voilà les loulous. J'espère que ça a pu vous parler un maximum. Donc, ne baissez pas les bras, gardez la foi parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à faire un petit don en passant, vraiment pour nous aider, les amis. Euh, il est dans la barre de description. C'est un lien de ma cagnotte Litchi. N'hésitez pas à continuer à liker, à commenter les vidéos, bien sûr, si vous le désirez. Et on se retrouve très bientôt. Paix et lumière sur vous. Coucou mon groupe 3, alors pour vous ici, comme pour les deux autres groupes, je vais commencer avec une carte de l'oracle des Starseeds et on va voir ce qu'on a à vous dire. Lifting the veil, lever du voile les amis, on dit que pour le moment, l'énergie dans laquelle vous êtes en tout cas, pas pour tous, je répète c'est une guidance générale, si vous avez besoin de moi, vous savez où me contacter. Je fais également des, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui n'ont pas encore été voir sur mon site, des guidances angéliques, hein, justement, mais personnalisées. Questioning everything, anything unaligned must go. Euh, vous vous questionnez sur beaucoup de choses pour le moment. Et on dit que tout ce qui est inaligné peut désormais ou doit partir de vous. Il y a une sorte d'instabilité euh, due à votre questionnement. Vous questionnez beaucoup trop, on me dit ici. Ça peut être des questions existentielles, ça peut être des questions euh, voilà, qu'est-ce que je fais ici Est-ce que je suis à la bonne place euh, Pourquoi euh, je postule pour autant de nombre d'emplois de, de, et euh, je n'ai toujours pas de réponse. Euh, pourquoi rien ne va dans ma vie Pourquoi je suis bloquée ici Pourquoi euh, Vous voyez ce genre de questions. Pourquoi je suis toujours seule Pourquoi je ne rencontre personne euh, Je ne juge pas parce que nous sommes êtres humains et que le questionnement fait partie euh, de, nos, de notre énergie en tant qu'humain aussi. Mais là, je crois que c'est un petit peu trop, les amis. Vous posez beaucoup trop de questions ici. Hein Alors, avec l'oreille des miroirs. Oh, on a la carte de la distance. On a la carte de l'amour, de la maison et du changement. Ok. Alors, pour certains, vous prenez du recul par rapport à une relation amoureuse. Vous avez besoin de vous détacher pour l'instant, soit de l'amour en globalité, parce que vous avez vécu des situations innombrables qui n'ont qui pas fonctionné, qui ont été difficiles et que pour l'instant vous voulez vous concentrer sur vous d'abord. Soit euh, vous prenez de la distance par rapport à un lieu, donc ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de changement d'endroit de vie, etc. Et vous rencontrez une personne à ce moment-là. Et ça change complètement votre façon de voir les choses. Soit j'ai une troisième interprétation, donc je vous la donne, puisque là, il y a énormément de messages en ces cartes. Euh, vous prenez de la distance avec votre hôte, si vous êtes déjà amoureux en couple marié, etc., pour changer quelque chose par rapport au foyer, soit déménager, soit redécorer votre maison, soit la vendre, soit la louer. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là ici. Je vais bien sûr aller reprendre des cartes comme je l'ai fait pour les deux autres euh, groupes. Et c'est peut-être pour ça euh, ce trop plein de questions là. Euh, c'est bouleversant parce que vous vous dites euh, mais je sais que je ne suis pas à ma place, mais qu'est-ce que je dois faire pour euh, euh, soit pour rencontrer quelqu'un, soit euh, euh, qu'est-ce que je dois faire euh, si je me sens plus bien là où je vis. Enfin, il y a énormément de questionnements euh, par rapport à ça ici. Mais on vous annonce un changement sur la prochaine saison. Donc je répète, pro prochaine saison, c'est au moment où vous regardez la vidéo, bien entendu. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire en dessous de la euh, distance Distance ici, on parle vraiment de distance géographique. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un que vous aimez qui est à distance et vous voudriez que cette personne revienne. Euh, voilà, dans le foyer. Ça peut être ça aussi. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Hein. Alors, la nouveauté de la naissance. Donc, il y a bien quelque chose qui naît là. Quelque chose de naissant. Ouais. Peut-être que vous prenez pas mal de recul par rapport à tout ce questionnement pour attirer de la nouveauté dans votre vie. Si c'est le cas, bravo les amis. Hein, tout le monde n'est pas dans la même situation. Hein. Vous êtes peut-être justement... En train de lever le voile sur ce questionnement et de vous dire bon ben maintenant euh, on verra bien quoi simplement. Alors on parle de communication ici. On parle de renouveau dans une communication, soit en couple, soit par rapport euh, des communications, des échanges par rapport à ce changement que vous voulez opérer dans votre vie ici. Vous voulez voir euh, euh, se manifester en tout cas. Il y en a beaucoup trop, euh, madame. Bon, j'ai madame, j'ai la réussite. Une grande protection pour vous, madame, ici. Hein, si c'est vous qui regardez cette euh, vidéo sur le, ce changement que vous allez opérer. Hein. ouais. C'est pour vous sortir d'un enfermement. Moi, je pense que c'est ces questionnements qui vous enferment ici. Hein. Honnêtement, hein, ou euh, un endroit où vous vous sentez bloqué, qui vous enferme. Waouh! La chance, les amis, hein. vous attirez la chance. Hein. Regardez, madame, hein. je vous le disais, hein. vous avez réussi à vous protéger ou quelqu'un vous protège ici, et il y a de la réussite finale, hein. de l'équilibre qui revient dans votre vie. Après une période qui a été plus ou moins bloquante, effectivement, on, on va aller prendre une carte sur l'enfermement ici. Ouais. Ça fait un temps que vous ne vous sentez plus bien, je pense, À soit avec la personne ici, soit dans un lieu de vie, euh, soit par rapport à, à ce nouveau départ. Moi, je pense qu'il y a un nouveau départ et vous vous posez beaucoup trop de questions. Hein. Ici, il y a un compromis, il y a quelque chose d'équitable qui se trouve. Hein. Je ne sais pas si c'est avec la personne de votre cœur avec euh, par rapport à cette situation nouvelle, mais il y a un bon compromis ici qui se trouve. Hein. Ah, ça parle beaucoup les amis. Moi, je vais juste aller reprendre une petite carte avec l'Oracle. Je ici. Attendez, hein, parce que <laughs> une petite carte, il y a tout le paquet qui tombe. Ouais, c'est ça. C'est équilibré. Hein, regardez, il y a un équilibre qui est retrouvé ici. Hein. Vous avez été, vous avez vous avez connu aussi, vous, l'injustice, hein, je pense. Hein. Mais vous êtes extrêmement fort, euh, fort, courageux. Vous avez réussi à, à résister aussi, ici dans ce groupe-ci, aux tempêtes, vous voyez. Où il y a quelqu'un de fort et de puissant qui vous protège et qui vous vient en aide, ici. Hein. C'est possible. Hein. Ça peut être un monsieur, si vous soyez monsieur ou madame, hein. Ouais. Vous allez retrouver un équilibre dans vos pensées. Hein, parce que c'est ça le problème. Hein, c'est lever le voile sur ce trop plein de questionnements ici. Hein. On a vraiment ici pour vous. Euh, oui, toutes les cartes. Hop. On a vraiment ici pour vous une notion d'élévation après un retard, après un blocage. Et vous, avez, vous êtes sur la bonne voie et vous allez célébrer avec quelqu'un, soit quelqu'un de la famille, soit de votre partenaire de vie. On a bien un départ, hein. donc il y a bien un mouvement là vers l'aventure, un voyage, un changement de lieu de vie, euh, une carrière qui décolle aussi hein, parce que l'avion c'est ça, c'est quelque chose qui s'envole, qui décolle. Ben voilà quoi, c'est vraiment ça bouge hein, chez vous les amis. Hein. Je peux comprendre hein, peut-être que vous le ressentez à l'avance et du coup. Euh, ben, vous vous posez des questions alors si vous vous posez les bonnes questions tant mieux hein, je vous dis ce n'est pas, pas une tare de se poser des questions mais faites attention que ce ne soit pas euh, voilà euh, ça ne parte pas dans tous les sens quoi c'est ça que je veux vous dire ici avec l'oracle quotidien <laughs> je vous disais ça bouge, c'est incroyable tout est en mouvement on vous dit alors je vais vous la lire Le processus est enclenché les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient, vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. donc on parle bien de nouveautés ici de changement. Hein. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose en ce moment, méfiez-vous. Hein. Donc faites attention si quelqu'un vous fait une proposition mais vous l'impose, ou que quelqu'un essaye de vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas. C'est juste le petit bémol. Sinon, on vous dit que tout est en mouvement. Alors, avec l'oracle La lumière de fée de Valérie Mottet, on a une libération ici. Du lâcher prise. La création. Et ça rejoint la nouveauté. Créer peut-être votre propre famille. Aller dans un foyer qui vous correspond. Euh, rejoindre quelqu'un qui a déjà des enfants, on peut parler d'une famille recomposée, euh, vous créez votre famille, c'est-à-dire qu'on peut parler de grossesse, de naissance ici. On vous dit, vous êtes en train de libérer quelque chose au niveau du transgénérationnel ou de vos ancêtres, les amis. Et on vous dit que ce sera grâce à votre travail de lâcher prise. Donc, levez le voile, lâchez prise, arrêtez de vous questionner à tout va, les choses vont bouger. Hein. Engagement. Donc soit il y a un engagement euh, ici pour vous par rapport à une personne de cœur parce que là on est bien sur le domaine amoureux, soit vous êtes déjà engagé avec cette personne et on voit que vous créez euh, vous créez vraiment une nouvelle situation mais qui est favorable on vous dit bien que c'est favorable pour vous hein. donc ce changement c'est pas pour vous déstabiliser c'est pas pour vous embêter c'est pour euh, justement renouveler Quelque chose de fort ici. Peut-être par rapport à un couple, une union, un engagement ici, les amis. C'est ce qu'on me dit. Hein. Là, vivre l'instant présent, ça c'est vraiment le conseil. Et entreprendre. Donc il y a bien quelque chose que vous allez entreprendre. Mais par rapport à un changement. On a le papillon ici. Hein. Ouais. Votre âme a besoin de, de réveiller quelque chose en vous de, de plus heureux, hein, j'entends, de, de plus joyeux ici nettoyage, ouais. votre âme est en train de se purifier. Vous le ressentez, hein, que ce changement arrive. Au moment où vous n'y attendiez pas, peut-être, là, vous avez l'impression de complètement stagner. On a le voyage et on a la joie. Donc, il y a bien euh, du déplacement, à un voyage, la construction d'une maison, l'annonce d'une grossesse, mais vous êtes en train de libérer des choses, mais, euh, mais énormes ici, en fait. Hein. Avec l'ange indigo, qu'est-ce qu'on a Faites un vœu, donc on vous demande de faire ce vœu ici et maintenant, les amis, de l'exprimer, même à voix haute. Hein. Vous sortez dans votre jardin, je sais pas, moi vous avez un petit hôtel, vous allez dans votre pièce sacrée et vous faites ce vœu et vous allez pouvoir montrer de la reconnaissance. Donc on vous dit que vous allez être en gratitude par rapport à ce vœu. Si ce vœu est déjà fait, réitérez-le encore. Demandez bien aux anges qu'ils ont bien euh, entendu. Votre demande, vous allez vraiment exprimer de la reconnaissance et montrer de la gratitude à la vie pour ce qu'elle va vous offrir ici, parce qu'il y a bien quelque chose qu'on vous offre, hein. même que ça fait longtemps pour certains que vous attendez ici. Hein. Il y a bien, véritable bien, un beau changement pour vous. Hein. Alors, que nous dit l'archange Métatron, hein, qui est le jumeau d'ailleurs de Sandalfon ici hein. Je ne pouvais pas m'empêcher d'aller prendre ce bel oracle de Métatron. Et donc il s'appelle l'oracle de l'archange Métatron d'Amanda Ellis. Vous avez la coupe l'or, la carte 16, coupe de ravitaillement. On vous demande de remplir cette coupe les amis, ici. Cette coupe c'est c'est l'amour inconditionnel. Regardez on a le symbole de la au-dessus. C'est l'amour inconditionnel. Pour vous, pour votre prochain, pour vous-même d'abord, pour votre prochain. La coupe, il faut la remplir. Une fois qu'elle sera remplie, vous serez ravitaillé en énergie d'amour, en profusion ici. Aube nouvelle, retour, bienvenue. La carte 10, il y a bien nouveau départ. On enlève toujours le zéro en numérologie, on a le 1. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui vous remplit cette coupe pour moi c'est ça vous pensiez que cette coupe elle était vide vous alliez plus pouvoir aimer donner de l'amour montrer de l'amour montrer de la générosité de la reconnaissance et ici on vous dit que cette aube nouvelle ce retour bienvenu et bienfaiteur peut-être de ce vœu hein, que vous avez envoyé à l'univers va vous remplir cette coupe d'amour vraiment Kundalini énergie iner inexploitée la carte 35 ouais c'est ça. Il y a un alignement. Vous allez vous aligner ici, les amis. Hein. J'arrive sur du 7 encore. Hein. Le 7, le 7, le 7. Et là, on a du 7 aussi. C'est très spirituel aussi chez vous. Hein. Vous le ressentez en vous. Alors peut-être que vous avez activé cette énergie de Kundalini. Si vous n'avez pas fait, mon mari euh, vous le propose. Euh, voilà, en formation. Euh, à distance en formation 1, 2 et 3 d'apprentissage de la Kundalini, enfin de l'apprentissage, c'est même pas de l'apprentissage, c'est de de l'activation de la Kundalini. C'est toutes les énergies inexploitées qu'on a en nous. Euh, vous savez, vous avez les chakras, mais vous avez aussi les micro-chakras, vous avez plein de petits rembranchements, et en fait, une fois que cette énergie elle est activée, tous vos chakras peuvent être pleinement ouverts. Et vous n'avez plus de peur, vous n'avez plus de crainte. Vous arrivez à vous reconnecter quand vous en avez besoin. Et cette énergie de Kundalini, si vous l'avez déjà activée ou si elle se réveille en vous, euh, eh bien, elle vous annonce de très très belles choses ici, les amis. Waouh, une nouvelle aube qui se lève. Hein. Regardez le soleil qui se lève, là. Hein. Et il y a un chemin, donc il y a bien un chemin que vous emprunterez, vous empruntez un nouveau chemin. Ok. Alors, que vous disent les dieux, les déesses et les anges, les amis La déesse du chemin sacré, laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Et là, on vous l'avait dit, hein, levez le voile, vous vous questionnez beaucoup trop, les amis. Donc là, on insiste et on confirme laissez la logique de côté. Tout ce qui n'est pas logique, enfin, tout, tout ce qui est dans la logique n'est pas forcément euh, la meilleure des solutions pour vous. Hein. L'ange de l'expression énoncez votre vérité, exprimez-vous clairement. Donc en fait, on avait l'expression là tout de suite aussi avec l'ange indigo. Donc on vous dit d'exprimer ce que vous voulez recevoir. Je l'ai dit au groupe 2, de, euh, demandez. Demandez, vos anges sont là, ils vous entendent, ils vous accompagnent. La déesse de la nature, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc, si pour l'instant vous avez semé des bonnes actions, si vous avez fait le bien autour de vous, si vous avez fait vos demandes, mais mis des actions en conséquence, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, les amis. Et ici aussi, il Y a une espèce de reprise de pouvoir, j'avais dit au groupe 1 qu'il y avait eu deux DS et euh, voilà, trois DS même, et j'avais dit voilà, quand on a des DS, c'est aussi une reprise de pouvoir personnel. Si vous vous êtes engagé par exemple à faire ce changement dans votre vie, mais mettez tout en œuvre pour le faire mais laissez vos réactions de raisonnement logique de côté. La logique ne fait pas tout. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et pour ça, il faudra aller lever le voile sur vos interrogations. Arrêtez de vous interroger à tout va, ça ne va pas arranger la situation. Alors, quel guide avez-vous ici Vous avez les enseignants divins qui vous parlent d'équilibre. Toute chose doit être mise en équilibre ici, les amis, pour vous. Vous pouvez aussi être des... Comment dire, des êtres de lumière qui pouvaient transmettre ces notions d'équilibre aux autres, de partage, d'entraide, de justes, euh, de juste valeurs, les valeurs intrinsèques, les valeurs qu'on a en nous aussi, et trouver cet équilibre entre le cœur et la raison. On me dit pour vous, quel est le message de vos anges Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour, pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc, c'est pas grave si vous avez des pensées. Tout le monde pense, l'être humain pense constamment, mais c'est ce questionnement qui est de trop, en fait. À partir du moment où vous accueillez de l'amour et que vous êtes dans des pensées positives, vous n'avez rien à craindre. Vous tenez cette colombe, cette colombe, c'est votre liberté intérieure. Vous allez pouvoir parcourir ce chemin sans effort. Ici. On vous dit simplement de ne pas avoir peur, les amis. Je vais aller prendre le tarot pour vous également. Euh, le tarot de l'héritage, euh, l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Ces cartes sont magnifiques. Je l'ai montré au, au groupe 1 euh, et 2. Hein. Euh, si vous aviez hésité, par exemple, entre deux choix, j'ai montré la boîte. C'est aux éditions, bah, attendez, hein, je vous la remonte vite fait, parce que c'est vraiment tellement beau. Et c'est aux éditions, que je ne pas de bêtises, exergue. Ouais, c'est exact, édition exergue. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut, alors, en matière de conseils et de prédictions, dire à mon groupe 3 ici, merci, merci Archange Métatron pour ces beaux messages et pour ces conseils divins, ici vraiment. Hein. Vous êtes aussi des êtres très proches de la nature, j'entends. Vous aimez beaucoup les animaux, vous aimez beaucoup les végétaux, les plantes, tout ce qui se rapporte à la nature. Et vous êtes très expressif ou très créatif quand on vous vous reconnectez à la nature, en fait, ici. Ouais. J'ai euh, probablement des guides, ici j'ai des chamans, j'ai des personnes qui travaillent avec des, des produits naturels, enfin des des éléments naturels, j'entends. Ça pourra pas parler à tous, bien sûr. La grande prêtresse, ouais. la grande prêtresse, c'est la sorcière du tarot et elle est également chamane. Vous voyez, c'est la grande prêtresse, c'est notre intuition. Allez chercher les réponses dans votre cœur, dans votre âme et pas dans vos questionnements, les amis. Vous, vous êtes hyper connectés en plus ici, hein. c'est dingue. Hein. Ouais. Cinq de bâton. Vous êtes en, en dualité, en conflit avec vous-même hein, quand vous vous posez ce, cette interminable liste de questions ici. Hein. C'est clair. Ouais, roi de coupe. Dix de denier. C'est beau, hein. Donc, on a le 10 de denier. Donc, on dit que vous n'avez pas à avoir peur, vous allez être en sécurité. Il y a peut-être un vœu qui se réalise par rapport à ça ici, les amis. On a le roi de coupe. On vous dit... Et j'aurais dû le mettre comme ça, en fait. On vous dit... Parce qu'elle est arrivée avant... Ouvrez votre cœur. Une fois que vous allez arriver à gérer euh, cet émotionnel, parce que l'émotionnel qui vous déstabilise, c'est ce trop plein de questions. Il touche du coup euh, votre logique et votre raison, touche à ce qui n'est pas logique et raison, et du coup ça fait un, un micmac ici, mais un truc euh, tout s'en mêle, tout s'enchaîne, alors que vous êtes voué à aller vers votre prospérité, votre sécurité. Vous devez parler avec votre cœur. Vous intellectualisez beaucoup trop les choses. Et ici, on dit que c'est ça, ce changement qui s'opère pour vous. Oui, c'est ça. Vous voyez l'énergie de la grande prêtresse. Et de la... Bon, la grande prêtresse, elle peut paraître froide par abord, mais elle est très connectée. Elle sait exactement quoi faire au bon moment parce qu'elle est directement reliée à son âme, à son intuition. Tandis que la reine d'épée, elle est, elle est, elle est froide et elle est très méfiante et très prudente parce qu'elle a vécu des choses difficiles. Et à mon avis, ça, c'est votre énergie. Ouais, c'est ça. Tournez-vous vers quelque chose qui vous épanouit. Pas vers des ondes, pas vers des jugements, pas vers ah mais telle personne a dit que je vais faire ça ah mais j'ai lu ça dans un article alors c'est que c'est vrai vous voyez ce genre de truc il faut vraiment changer la donne ici les amis hein ouais c'est ça il y a une opportunité de cœur qui vous attend mais il va falloir mais euh, ben il va falloir vous écouter il va falloir faire ce choix aller vers cette opportunité mais avec votre cœur les amis ici vraiment le message vraiment que, que, que son veut faire passer, il est clair. Hein Je dis pas que vous êtes des êtres sans cœur, mais vous écoutez parfois trop votre raison. Hein Et regardez, on a le monde. Hein Donc bientôt, vous allez pouvoir euh, activer cette curiosité, découvrir de nouvelles choses, vous adapter à un autre endroit, euh, à d'autres énergies, à de nouvelles personnes dans votre vie. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement. Et pour ça, il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a quelque chose à laisser euh, derrière vous. Et on est à nouveau sur des épées ici. Hein. Donc les épées, c'est le, ray le, le rayonnement. Oui, ça dépend lesquels. Le raisonnement et l'intellectualisation des choses. Hein. Et une fois que vous aurez euh, appris à manier tout ça et faire comme ce roi de coupe et rester tranquille et posé et attendre que les événements, euh, voilà, se passent ou que les belles choses arrivent à vous. Vous allez gérer, euh, mais vraiment d'une manière magnifique. Que hein vous dit l'oracle de Sanka ici C'est l'oracle de Gaël et de Michael, si vous le désirez. Vous avez ses coordonnées dans la barre de description de la vidéo. Fais comme l'aigle et prends de la hauteur. Arrête-toi pour observer. Tu auras une vision plus large pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et agir avec le recul et le calme. Nécessaire. Je vous remets cette carte de levée de voile. Hein, J'espère que je l'ai pas encore rangée. Prendre du recul. Vous allez voir ce qu'il y a derrière ce voile, mais vous n'allez pas le voir avec votre logique et votre raison. Vous allez le voir plutôt. Ça va être une vue euh, d'ensemble de votre esprit, de votre connexion à vos guides, à votre intuition ici. Prenez de la hauteur, mais pour ça il faudra prendre du recul et il ne faudra pas vouloir absolument toujours tout contrôler ici. En plus, on me dit que vous êtes des bons communicants, alors parlez avec votre cœur, laissez votre raison de côté. Ça, ça va vous apporter vraiment de belles choses ici, les amis. On me dit. Hein. Avec le petit livre, qu'est-ce qu'on a? Fairman, donc dealing a relationship with a man with a blonde hair, gray or white hair. Donc ici, soit c'est vous monsieur, soit c'est vous madame, il y a un monsieur en face que vous aimez beaucoup. Ça peut être un frère, un papa, un collègue, un ami, peu importe, mais c'est un homme blond, blanc, gris, poivre et sel, peu importe. Hein. Ok, c'est l'énergie de l'homme ici. Les opportunités vous attendent. Un vœu est déjà exaucé. Donc, ils vous a entendu. Donc, si vous avez fait, souvenez-vous de la carte qu'on a eue, faites un vœu. Incroyable, hein On vous dit que ce vœu est sur le point d'être exaucé et on vous parle du mois d'avril. Donc, pour ceux qui me suivent avant, on vous parle du mois d'avril ou qui sont pas loin de ce mois-là, je ne sais pas, vous me regardez au mois de janvier, ben, on va vous dire avril, quoi. Euh, soit c'est le 4. Voilà, le 4, ça peut être 4 semaines. 4 heures, 4 semaines, 4 mois pour certains. Mais bon, on vous parle vraiment de ces opportunités ici. Et euh, je pense que vous le savez clairement qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous. Donc laissez votre logique de côté. Hein. Ouais, regardez, on vous annonce quelque chose. Hein. Le tintement de la cloche, là, vous, vous fait une annonce, les amis. Hein. Et on a le mois d'août aussi pour certains. Alors ça peut être, voilà, ou là, entre avril et août, ça peut nous dire ça aussi, vous allez être comblé au niveau euh, des ressources, qu'elles soient financières, alimentaires ou autres, bien sûr. On dit qu'il y a un chemin qui vous attend, un chemin d'abondance qui vous attend ici. Donc, avril, euh, ça peut être aussi en face de vous, à côté de vous, cette personne ou ces opportunités, cette personne qui vous apporte cette nouvelle, euh, ça peut être un signe du bélier ou du taureau. Et le mois d'août, ça peut être un signe du lion ou de la vierge ici. Vous faites, bien sûr, vous faites le ménage, les amis, vous prenez uniquement. Si vous avez des frissons à partir du moment où j'ai dit avril, ou à partir du moment où j'ai dit cet homme blond, ou cette annonce, eh bien, c'est que c'est pour vous. Si maintenant ça ne vous ça ne vous apporte rien, on va dire que vous ne ressentez rien sur le moment, c'est peut-être que les messages sont pas pour vous. Donc du coup n'hésitez pas à me contacter. Je fais également des guidances angéliques personnalisées, les amis. Hein. Alors question réponse à votre question. Et si vraiment c'est pas une <laughs> parce que vous les questionnements, je dois faire attention. Du coup, euh, si c'est pas une question qui vous vient comme ça. Hein, Bizarrement, vous êtes là, vous êtes bien, relax, vous pensiez même pas, euh, pour une fois, vous ne pensiez pas à vous questionner, eh ben, c'est très bien comme ça. Prenez ce qui, ce qui, ce qui arrive ici. Si vous avez une question précise, qu'elle soit bien précise et choisie, les amis, hein. On vous dit confiance, vous êtes prêt et dans un avenir rapproché. Donc, si c'est ce changement que vous, vous voulez, on vous dit gardez confiance, vous êtes prêt, vous allez y arriver. Tout simplement, et dans un avenir rapproché, c'est pas lointain. Donc, ça peut vraiment, pour certains, être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois ici. Mais c'est de l'avenir proche en tout cas. Ok, super. Alors, euh... ah oui, je vais ranger ça, hein, que je n'oublie pas. Et bien sûr. Alors, les amis, un petit message de notre cher Jésus. N'ayez pas peur, croyez seulement, Marc. Chapitre 5, verset 36. N'ayez pas peur, croyez seulement. Donc, arrêtez d'avoir peur. Parce que vous savez, surplus de questionnements, parfois, ça fait peur. Hein, on reçoit des factures, on reçoit une nouvelle, on se dit, oh mon Dieu, et alors là, c'est parti pour un tour, et ça se passe toute la journée, ça, ça repasse en boucle et en boucle. N'ayez pas peur, croyez seulement. Croyez en vous. Vous êtes capable de lever le voile et d'activer ce changement ici. Vraiment. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à demander de l'aide, les amis. N'hésitez pas à venir sur mon site, je fais également des séances de thérapie. N'hésitez pas à contacter mon mari si c'est pour la Kundalini ou si vous voulez y voir clair sur certaines choses au niveau énergétique. Faites-vous aider, mais... C'est marrant parce que dans le 2, on parlait des peurs qu'ils étaient en train de travailler. Et ici, on voit qu'il y a peut-être un travail encore à faire sur ces peurs. Mais ces peurs, c'est votre mental qui alimente ces peurs, hein, ou qui font ressurgir ces peurs ici. Euh, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit et la demande à lui faire Si vous désirez encore faire une demande, bien sûr, à l'archange Michael, ici, les amis. Ok. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc si vraiment ça vous paraît impossible et que vous êtes en train de vous remuer les ménages ici et que vous ne savez pas comment faire, mais demandez aussi à l'archange Michael. Vous récitez cette prière tous les jours et vous allez voir le résultat par la suite. Mais bon, il faut le faire dans le temps évidemment aussi. Hein. Votre prière. Archange Michael, merci de m'assister pour... Alors merci de m'assister pour, je vais vous donner un exemple. Merci de m'assister pour régler ma situation, mon ma problématique financière. Merci de m'aider pour euh, sauver mon couple de la dérive. Merci de m'aider pour euh, trouver un, nou un nouvel emploi, par exemple. Vous voyez. Donc Archange Michael, merci de m'assister pour. Vous décrivez. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc je vous le, la repropose. Archange Michael, merci de m'assister pour vous décrivez. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Et je vous la montre, elle est vraiment magnifique, les amis. Ok. Alors, vos chemins de vie année personnelle, pour ceux qui me découvrent, qui ne me connaissent pas encore, c'est quelque chose que je fais depuis le début, c'est un complément. Donc s'il n'y a pas votre chemin de vie année personnelle, s'il n'y a pas votre signe ascendant lunaire, ce n'est pas grave. Ce sont vraiment les messages les plus importants de notre cher archange Sandalphon ici. Alors, on a chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie maître nombre 33, chemin de vie année personnelle 9. Pour les signes astrologiques, nous avons nos amis les béliers et les gémeaux. Alors, ça peut être votre ascendant, comme je l'ai dit, lunaire également. On a nos amis les cancers et on a nos amis les balances. Voilà les loulous. C'était très joli en tout cas, vraiment très très beau. J'espère que ça a pu résonner pour vous un maximum. N'hésitez pas à faire un petit don à la cagnotte, vraiment pour nous aider dans cette situation embarrassante et je dirais même plus que ça pour le moment. Et puis, euh, à liker, à commenter, à partager un maximum et à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je, je ferai la playlist à cet effet avec les messages des archanges de la chaîne pour que vous puissiez les retrouver plus facilement quand vous avez besoin de venir les entendre. Je vous remercie infiniment. Passez de très très beaux moments. Que cette nouvelle vie là, qui s'offre à vous soit, soit juste magique. Je vous la souhaite de tout cœur. Et je vous dis à, à très bientôt, les loulous.